Allons-y, chers collègues enseignants. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je me présente, je suis Yacine Blamo, je suis administratrice directrice générale du groupe HEM et également présidente de la fondation HEM. Au nom de toute l'équipe, je suis très heureuse de vous accueillir ce matin et je vous remercie pour votre présence. Je voudrais aussi vous féliciter parce que je crois que c'est les vacances. Donc vous êtes là, un certain nombre d'entre vous, même si c'est les vacances, donc bravo. Alors, si nous sommes réunis ce matin, c'est pour le lancement de la première édition de l'Université citoyenne, Jamia Al-Mouadna, spécial enseignant, année universitaire 2017-2018. Je vais donc saisir cette opportunité pour vous rappeler tout d'abord ce que c'est que l'Université citoyenne et d'où elle vient. En fait, l'Université citoyenne tire ses origines dans les pratiques universitaires ancestrales et dans sa mission première qui est celle de la diffusion du savoir et de la connaissance au plus grand nombre. En fait, c'est Alain Lamour qui est notre président, a eu l'idée de lancer l'Université citoyenne il y a 21 ans en pensant à Fès et à Qaraouye. À cette époque, il y avait des cours ouverts où les gens pouvaient venir, s'asseoir, écouter gratuitement, quel que soit leur âge, et repartir. Et donc c'est de Qaraouye qui est venue, il y a une vingtaine d'années, cette idée de faire Jamia Al-Mouadna. Donc l'université citoyenne est proposée par HEM et sa fondation depuis 21 ans. Ce sont des cycles de 9 séminaires qui sont étalés sur les mois de janvier, février, mars, voire parfois avril, sur des thématiques pluridisciplinaires. En général, c'est management et économie, vie politique et droits humains, et pensée et société. Alors, ce sont 8 cycles que nous faisons désormais aujourd'hui sur 8 villes marocaines, et ce, simultanément, à Casa, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès, Oujda, Agadir et Tétouan. Donc, ça fait une 60aine de séminaires qu'on organise sur tout le Maroc pendant 3 mois, et c'est devenu, une belle grosse machine. Les séminaires sont ouverts à tous, gratuitement, sans condition d'âge et sans aucun prérequis. Ils sont dispensés par des experts et des personnalités de renom, aussi bien nationales qu'internationales. Il faut savoir qu'une attestation d'auditeur est remise aux participants qui assistent à plus de 80% des séminaires, c'est-à-dire à au moins 7 séminaires sur 9. Aujourd'hui, l'Université citoyenne compte plus de 600 séminaires organisés, plus de 40 000 inscrits, et près de 5000 certificats d'auditeurs remis. Alors cette année, à l'occasion du 30e anniversaire de HEM, nous avons décidé de lancer sur Casablanca dans un premier temps une autre édition spéciale de l'Université citoyenne, spéciale enseignant cette fois, ou je dirais plutôt spéciale enseignant et d'une façon générale, individu impliqué d'une façon générale dans l'éducation. Et nous lançons cette édition spéciale en partenariat avec le mouvement associatif Les Citoyens, dont la présidente, Madame Rétiane Hillot, ici présente, prendra la parole juste après moi. Alors, pourquoi un tel cycle d'université citoyenne spéciale enseignant? Essentiellement dans un objectif de valorisation du professeur dans notre système et dans notre pays. Nous pensons que le professeur, l'enseignant et donc l'élément humain que vous êtes, est au cœur du dispositif de formation et que sans lui, rien ne peut se faire. Les séminaires sont ainsi axés à la fois sur la culture générale et sur la sensibilisation à des thématiques pédagogiques qui vous sont propres, à vous enseignants, mais également sur votre développement personnel, car celui-ci est fondamental à votre bien-être et à l'exercice de votre métier. Ce cycle a donc pour objectif d'accompagner, d'apporter des outils à l'enseignant, sans toutefois s'inscrire dans de la formation, on n'est pas là pour faire de la formation, mais plutôt modestement à venir en complément des actions dont vous bénéficiez peut-être déjà par divers organismes ou bien par le ministère de l'Éducation nationale. Alors les grandes thématiques de ce cycle, elles sont différentes de l'université citoyenne, l'autre, l'habituelle. Elles ont été spécialement réétudiées pour vous et donc il y a 3 thèmes que vous avez vus. Le premier grand thème, c'est l'école au cœur du modèle social et donc on aura 3 séminaires sur ça, dont le premier aujourd'hui. Le deuxième thème, les bonnes pratiques pédagogiques. Et le troisième thème, le développement personnel de l'enseignant lui-même. Alors, ce sont exactement les mêmes conditions que l'université citoyenne habituelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir 9 séminaires, 3 dans chaque grande thématique. C'est bien sûr gratuit. Et les enseignants et les personnes assidues auront également le droit à un certificat d'auditeur. Et ça veut dire que vous avez le droit
à 2 absences maximum si vous voulez obtenir le certificat d'auditeur. Il y a 9 séminaires, si vous êtes absent plus que 2 fois, vous ne l'aurez pas. C'est pour ça qu'il faut pointer à l'entrée, et ici on est HEM, donc il faut être assidu, et c'est vous les élèves. On va tout voir. D'accord ? C'est lui le professeur. Bon, lui, ça ne change pas. D'accord ? Donc ça, c'est important. Alors, bien sûr, si certains d'entre vous ne tiennent pas à avoir le certificat d'auditeur, vous pouvez venir juste aux séances qui vous intéressent. Vous les choisissez, mahba biko. Alors, pour revenir à notre séminaire d'aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'ouvrir ce cycle 2018 avec l'excellent Mohamed Srer Jinja, qui est un habitué de l'université citoyenne et des conférences de HEM en général. Donc merci infiniment d'être parmi nous. Et avant de terminer, je voudrais ajouter juste 2 petits éléments. Le premier, c'est que là vous êtes déjà là alors que c'est les vacances, donc ça commence bien. C'est que même s'il pleut, même s'il fait froid, venez. Venez, encouragez-vous à venir, même s'il y a des enfants, la famille, le shal, etc. Venez parce que c'est tellement bon et bien d'apprendre à chaque fois. Et nous, enseignants, on est quand même bien placés pour le savoir. Le deuxième élément, c'est que notre cycle de cette année sera modéré par notre collègue, Lubna Liousfi, qui fait partie du mouvement associatif Les Citoyens. Donc elle va vous accompagner tout au long de ce cycle des 9 séminaires. Elle se chargera de vous présenter nos intervenants au début de chaque séance, et donc elle va nous présenter plus en détail Sisre Jinja tout à l'heure. Et ensuite, à la fin de chaque séminaire, elle gérera la salle pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez envie de poser à l'intervenant qui est là. Voilà, quant à moi, on n'est pas encore le 31, donc je peux encore vous souhaiter une très bonne année 2018, pleine de santé, de sérénité, et surtout aussi pleine de connaissances et de nouveaux apprentissages. Et là, je vous laisse avec Madame Ritalino. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Dabor. Merci à la Fondation HEM d'être vraiment à l'initiative de cette idée. Quand on s'est vu lors de notre démarrage à INSIGEM, Yasmine est venue me voir tout de suite en me disant « La citoyenneté est au cœur des valeurs d'HEM et nous aimerions faire quelque chose ensemble. » Ce que je voudrais vous dire, c'est que les citoyens ont un objectif qui peut se résumer en un seul motto, c'est le mieux vivre ensemble. Dans le mieux vivre ensemble, nous avons une volonté de donner l'espoir. Vous qui êtes des enseignants, vous êtes en permanence en proximité avec des jeunes. Dans notre pays, malheureusement, nous avons une très grande partie de nos jeunes qui sont aujourd'hui ni en formation, ni à l'école, ni dans un emploi. Et cette jeunesse, qui représente plus de la moitié de la population marocaine, est au cœur de toutes nos inquiétudes, au cœur de ce qui va faire que notre Maroc va se développer ou pas. Et le nouveau modèle de développement qui est aujourd'hui au cœur de beaucoup de demandes et qui sont vraiment aujourd'hui requis aux plus hautes instances par Sa Majesté au plus haut niveau, nous demande de travailler sur ce nouveau modèle de développement. Et nous souhaitons, en tout cas à notre petite échelle et à l'échelle de tout ce que peut représenter le Maroc comme société civile, comme force vive de la nation, de pouvoir nous approprier cette problématique et faire quelque chose chacun à notre niveau. Et cette dignité, cette volonté de projeter ces jeunes dans un emploi, dans une capacité à contribuer à ce Maroc que nous aimons, nous essayons de le faire dans ce concept du mieux vivre ensemble. Mieux vivre, ça veut dire effectivement nous projeter. Pour nous, l'éducation est au cœur du dispositif, de cette capacité à leur donner les outils pour être demain des hommes et des femmes capables de prendre leur destin en main. Et notre philosophie, c'est d'arrêter de tout casser et de dire ça va pas. Parce que nous nous sommes rendus compte que dans notre pays, il y a des choses extraordinaires, miraculeuses, peut-être rares, mais qui existent et qui marchent fantastiquement bien. Et donc notre parti pris sur tous les sujets que nous regardons, que ce soit l'éducation, l'emploi, des emplois nouveaux,
c'est d'aller chercher les miracles, ce que nous appelons les émergences, et essayer de les modéliser et de les démultiplier. C'est ça le cœur de notre dispositif. Et sur l'éducation, nous avons travaillé en particulier avec une école qui s'appelle Hechelmenhelf, qui est un miracle situé dans la région rurale du Nord, de la région donc d'Azela. Nous avons assisté à quelque chose qui a complètement chamboulé l'écosystème parce qu'il y avait un homme, parce qu'il y avait une équipe, parce qu'il y avait une volonté. Et cette école publique a réussi à faire pratiquement ce que très très peu d'écoles à l'échelle nationale ont réussi à faire. Donc notre travail, c'est de modéliser, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, et être capable ensuite de démultiplier cette expérience. Et au-delà de cette école, aujourd'hui, nous travaillons avec des professeurs, avec des directeurs d'établissement, avec des responsables pédagogiques qui ont réussi, à leur petite échelle, à trouver les astuces pour faire que ça marche. Et donc aujourd'hui, notre modèle, que ce soit par rapport à cette école, par rapport à des villages qui ont réussi une magnifique histoire de développement, par rapport à certains quartiers, de comprendre comment ça a marché, d'essayer de mettre des chercheurs, des académiciens pour modéliser, ensuite arriver dans des étapes de démultiplication avec là aussi des académiciens, des écoles, et l'exemple d'HEM pour nous est absolument révélateur de la volonté de chacun, et nous aimerions le démultiplier pour beaucoup de sujets, et ensuite arriver à mobiliser avec nous des dizaines, des centaines, des milliers d'acteurs de notre pays pour arriver à faire bouger les choses et arrêter d'être chacun dans notre coin en nous disant « c'est la fatalité, on n'y arrivera pas, tout doit venir du même endroit et chacun doit contribuer parce que c'est notre avenir, c'est nos enfants, c'est notre pays et personne ne le fera à notre place, il faut qu'on se mobilise ». Voilà vraiment du fond du cœur ce que nous aimerions faire et pour moi je suis très très heureuse d'être ce matin ici parce que c'est la première fois que nous voyons quelque chose qui commence à sortir de nos idées, de nos concepts. Et merci à Sainte-Catherine Saint-Jean-Jean d'être là parce que nous l'admirons beaucoup, parce qu'il représente ce mieux vivre ensemble dans le cadre de tout son travail sur comment faire cohabiter la spiritualité et toutes les sciences humaines et toutes les sciences sociales et toutes les sciences tout court. Et c'est avec vous le monde de l'enseignement, le monde de la transmission que le premier petite graine d'espoir va démarrer et nous sommes vraiment très très heureux de vous avoir aujourd'hui et nous comptons beaucoup sur vous pour que cette expérience se démultiplie et fasse énormément d'université citoyenne dans l'avenir. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Audna Youssi. Je suis chef de projet chargée de la sécurisation au sein de l'association Les Citoyens et j'assurerai la modération tout au long de ces 9 séminaires de l'Université citoyenne spéciale enseignant. Comme l'a dit Madame Moll et Madame Hu plus tôt, j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir accepté notre invitation et d'être aussi nombreux aujourd'hui. Nous en sommes vraiment ravis. Et avant de donner la parole à Monsieur Jean-Jacques, j'aimerais juste dire quelques mots par rapport à ce programme et à cette édition. Au cours de nos rencontres avec les enseignants, donc que ce soit chez les citoyens ou chez la Fondation HEM, nous sommes arrivés au même constat. Nous sommes rendus compte à quel point le statut d'un enseignant marocain est dévalorisé. Et à quel point le corps enseignant au Maroc se sent abandonné à lui-même. Donc de là nous est venue l'idée de concevoir conjointement un programme qui est dédié exclusivement et spécialement aux enseignants, avec donc pour principal objectif la revalorisation de ce statut-là et la remotivation du corps enseignant. Donc ces 9 séminaires auront pour but et seront l'occasion de donner la parole à des experts en éducation, à des chercheurs, à des coachs en développement personnel et professionnel pour traiter des thématiques vécues au quotidien par les enseignants.
mais ce sera aussi et surtout l'occasion de vous donner à vous la parole pour vous permettre de vous exprimer et d'échanger par rapport à vos expériences, donc de nous faire vos retours d'expérience et réellement de nous enrichir de ce que vous avez, de ce que vous faites au quotidien. Donc, tout au long de ces séminaires, une partie questions-réponses sera réservée aux auditeurs. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre la parole pour partager vos expériences, pour poser vos questions ou simplement pour partager vos témoignages. Donc, sans plus tarder, je vais présenter notre intervenant d'aujourd'hui, qui est Monsieur Mohamed Sirajonjal. Donc, Sirajonjal est docteur en anthropologie et directeur adjoint de la Fondation du Roi Abdelaziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines à Casablanca. Il est également directeur de publication de la revue Prologue et directeur de rédaction de la revue Al-Madrasa Al-Maghribia. Il co-dirige avec Anim Khlouf la collection Religion et Société aux éditions Prologue. Et en tant que chercheur et traducteur, il s'intéresse à plusieurs thèmes de recherche et objets d'étude, à savoir les mutations de la société marocaine contemporaine, religion et culture dans le monde arabo-islamique, société civile, mais également l'état de la recherche et l'édition au Maroc. Donc, monsieur Sirajonjal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne la parole. Merci, madame Loubna Youssefi. Merci à vous tous et bonjour. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation de HEM et de l'association citoyenne. Évidemment, un cycle de conférences ou de séminaires qui s'adresse à des enseignants, c'est des choses qui nous tiennent à cœur tous. Nous avons tous, moi personnellement, c'est mon cas, été à des moments importants de notre vie, influencés, guidés, orientés par des enseignants. En fait, notre vie s'est faite souvent de rencontres avec des enseignants qui nous ont lancés sur des choses. Ils ont certainement saisi à un moment donné dans notre vie, de jeunes, d'enfants, quelque chose. Et puis, ils nous ont orientés vers ce que nous sommes devenus. Donc, l'enseignant, peut-être plus que les parents, peut-être plus que la famille, peut-être plus que la société, en tout cas dans la société dans laquelle j'étais élevé, moi, où il n'y avait ni télévision, ni Internet, il n'y avait que les livres et l'enseignant et la rue. Et les enseignants ont joué un rôle considérable dans ce que nous sommes devenus, en tout cas dans ce Maroc des années 60 et des années 70. Donc, par gratitude, par reconnaissance, évidemment, il est important pour moi de participer à ce genre de rencontre. Autre chose, c'est que vous allez avoir des séminaires sur la pédagogie, sur les contenus pédagogiques, de l'éducation à la citoyenneté. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas éducateur, je suis un anthropologue. Donc ici, je vous propose une réflexion un peu large sur ce que nous étions, ce que nous sommes, ce que nous sommes devenus, et ce sur vers quoi nous voulons aller. Et quel est l'esprit de cette éducation nouvelle que nous souhaitons pour le citoyen de demain. Ça va être une sorte de panorama pour nous permettre un peu de repérer ce que c'est ce Maroc-là d'un point de vue de l'éducation et de la culture et vers quoi on va aller. Donc le titre qui a été proposé par citoyen, c'est la transmission des valeurs citoyennes comme préalable à l'action du citoyen de demain. Je vais vous parler dans ce séminaire des trois composantes de ce titre. La transmission, les valeurs de la citoyenneté et l'éducation du citoyen de demain. Nous essayerons de cheminer doucement avec... Parfois, en faisant appel à l'histoire, en faisant appel à des enquêtes sociologiques sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, et aussi ce qu'on doit faire,
Ce qu'il est faisable, parce qu'il y a d'autres sociétés qui l'ont fait et qui a été réalisé ailleurs, et commençons par la transmission. Vous trouvez dans, vous connaissez tous René Descartes. René Descartes et ce livre qui s'appelle Le discours de la méthode, écrit en 1637, c'est un texte qui est fondateur de la modernité en tant que pensée, en tant qu'attitude de l'esprit vis-à-vis du monde. Et vous trouvez chez Descartes, à un certain moment, cette phrase dans ce texte. Il dit, lorsqu'on est trop curieux des choses qui se pratiquaient au siècle passé, on demeure ordinairement fort ignorant de celles qui se pratiquent en celui-ci. Le trop d'attachement à ce qui s'est passé dans le passé, dans les siècles passés, fait de nous qu'on passe à côté de ce qui est le présent. Et toute la méthode de Descartes, c'est, il a été éduqué dans les meilleures écoles d'Europe à l'époque. Et donc il a eu ce patrimoine classique, traditionnel, avec les méthodes traditionnelles évidemment. Et il aimait ça, et il a appris chez les clercs, les philosophes, les enseignants de ce passé-là. Mais à un certain moment, il s'est rendu compte que toute cette éducation, c'était comme une sorte de voyage en arrière. C'est comme si on reste prisonnier d'un passé et qu'il faut justement inverser les choses. Et il arrive un moment dans l'expérience de Descartes qu'il veut lui-même commencer un autre voyage. Et Descartes entreprend un examen. Examen une à une des opinions, des idées, de ce qu'il a reçu, de cette transmission, pour construire une nouvelle pensée, un nouveau savoir. D'où ce qu'on sait sur table rase, reconstruire les savoirs sur l'expérience, sur le monde tel qu'il est. Pourquoi j'ai pensé à cette phrase ? Parce qu'on a tous, à un moment donné, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, je l'ai vécu, à un certain âge où je ne pouvais pas savoir que cette expérience se répète chez nous, je l'ai vécu un jour de 1975, c'était janvier 1975, j'étais dans un lycée très populaire, l'un des très grands lycées de Casablanca, il s'appelle lycée Moulay Ismaïl, un grand lycée. Il y avait 2000 élèves, quelque chose comme ça, dans la banlieue de Casablanca. Et on était l'année du baccalauréat. Le directeur du lycée se trouve, arrive le facteur avec un paquet comme ça, en mon nom, envoyé par une certaine dame qui s'appelle Madame Richard. Madame Richard, c'était une enseignante française qui nous a enseigné l'histoire-géographie de l'année d'avant le bac. Elle est partie chez elle en France, il a eu une classe et il a demandé à ses élèves, je crois dans les Alpes, il leur a demandé de constituer un dossier pour faire connaître leur région à leurs amis qu'ils n'ont jamais vus. Mais ce sont ses élèves. Il a gardé un bon souvenir de son passage chez nous. De nous envoyer un paquet comme cadeau pour nous faire connaître leur région. J'ouvre le paquet et je tombe sur un dossier où ces jeunes enfants qui ont peut-être entre 15 et 16 ans nous font la description des reliefs, tadaris, de la région, la faune, la flore. Ils prennent les petites feuilles des arbres, les fleurs. Ils prennent tout ce qui les entoure. Ça veut dire qu'ils ont appris à observer la nature, à la découvrir, à nommer les choses du monde et donc à constituer ce dossier. Quand ce dossier arrive et on est réunis, nous les enfants de 18-19 ans, à l'époque jeunes marocains, je me suis rendu compte en fait que ni en français,
ni en arabe, je ne peux pas nommer les arbres qui étaient dans le lycée. Je ne connaissais pas les noms des fleurs. On les appelle noix. On avait un nom générique. Pour les animaux, beaucoup n'ont jamais vu ni le tigre, ni on ne connaît même pas la faune, la flore et la flore du Maroc. Ça veut dire qu'on était dans cet enseignement dont parlait Descartes. On était dans un enseignement qui nous racontait les messages des siècles passés. Mais le monde qui était autour de nous, on n'avait pas les noms pour le nommer. On n'a pas appris à voir le monde, à le décrire et à le transformer. Parce que pour transformer le monde, il faut d'abord le connaître. Il faut arriver à le nommer. Donc cette lettre de Madame Richard, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu de réponse. Et pour moi, j'ai senti ça comme un des drames de notre système de transmission et d'éducation. Pourquoi il a fallu plusieurs années à l'école publique pour que vienne un jour Madame Richard et nous emmène à Walili découvrir l'archéologie, découvrir les traces de l'époque romaine, alors que ces enfants des quartiers populaires n'avaient aucune chance. Ils peuvent aller jusqu'à l'université sans jamais découvrir ça. Pour aller à Fès et découvrir les métiers, c'est elle qui a organisé ça. Parce que c'est dans leur système éducatif. Ils sont les enfants de Descartes. Nous, on n'était pas des enfants de Descartes. On était des enfants de lui aussi et des autres. Abdelrahman el-Fassi, etc., etc. Ça veut dire que, vous savez, lorsque Napoléon est arrivé en Égypte, ce qu'on appelle Hamlet Napoléon, fin du XVIIIe siècle, il avait des armées, mais il avait avec lui toute une armée de savants. Et vous savez, si vous venez par exemple à la bibliothèque chez nous, vous allez découvrir ce qu'on appelle la description de l'Égypte. Les savants, ils ont tout pris, tracé. Il n'y avait pas d'appareil photo. Ils ont dessiné. Ils ont découvert la civilisation pharaonique, égyptienne. Ils ont découvert la faune, la flore, etc. Et c'est là qu'on découvre les hiéroglyphes. Et on arrive à déchiffrer les hiéroglyphes. Et on découvre quelle est cette civilisation. Alors qu'il y avait 12 siècles que les musulmans étaient là en Égypte, ils ne ont jamais tourné les yeux pour aller voir ces traces du passé. Vous n'avez aucun livre d'un savant musulman qui décrit ces traces de l'Égypte pharaonique et qui essaie de comprendre de quoi il s'agit. La même chose en Inde, la même chose en Mésopotamie, la même chose. On considère que c'est kharab, dit le passé. Et si vous regardez les photos de notre pays, le Maroc, vous allez voir les photos de l'Attarine, Madrasat l'Attarine, etc. En 1912, c'était des kharab. C'était les gens passés, et il n'y avait que de la poubelle, le Madaris, le Maghribia, Fifes. Pourquoi? Parce que ça, c'est des traces du passé. Et il fallait que la France arrive et qu'il fasse ce qu'on appelle toute une administration des lieux du passé, le patrimoine. L'idée de patrimoine, ils l'ont inventé. Et c'est pour ça aussi que lorsque Isabella la catholique, une fois qu'il prend Grenade, ou ils ont chassé les musulmans, il va nommer un directeur de Qasr al-Hamra que nous allons visiter aujourd'hui. Vous savez que Qasr al-Hamra, c'est le monument de Grenade, comme la mosquée de Cordoue et le monument de Cordoue. Si vous enlevez la mosquée de Cordoue, il n'y a plus rien. Si vous enlevez la Geralda de Séville, il n'y a plus rien. Des millions de touristes passent pour ça. Cette notion du patrimoine, la découverte du passé, de son histoire, c'est quelque chose de très important. Donc l'idée, pourquoi cette citation de Descartes, c'est pour vous dire l'élément de séparation et de rupture entre le monde ancien et le monde nouveau qui arrive avec Descartes, c'est que لِنَفْتَحْ كِتَابَ الطَّبِيعَ وَنَقْرَأَهُ. Il faut ouvrir le livre de la nature et commencer à le lire. Du coup,
Lorsque Galilée va arriver et dire la nature ne parle qu'un seul langage, c'est les mathématiques, il va essayer de déchiffrer ses lois et ses codes. Et la science moderne, la puissance de l'homme moderne va naître à partir de ce basculement, de cette façon de lire aujourd'hui le monde. Donc là, la philosophie de l'éducation qui commence avec Descartes, qui ne va pas se diffuser tout de suite, mais il va se diffuser longtemps après. C'est pour ça que lorsque on parle dans la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, lorsqu'il dit « la révolution française est faite par des cartésiens qui sont sortis dans la rue », c'est-à-dire des enfants qui ont appris à lire et à écrire selon la conception cartésienne, et c'est eux qui, une fois dans la rue, ils ont fait chuter l'ancien régime. C'est-à-dire, le monde est fait et guidé par le savoir, par la culture. Et cette culture qui commence avec Descartes, c'est la culture qui va changer le monde, c'est cette transmission nouvelle qui va changer le monde. Prenons maintenant, essayons de savoir quel est l'héritage en matière d'éducation et de transmission, quel est notre héritage. J'ai essayé de vous donner schématiquement un modèle de transmission du Maroc précolonial, le Maroc d'avant cette école moderne. Le modèle de transmission, c'est celui qu'on connaît dans toutes les sociétés qu'on appelle agrolettrées, pré-industrielles. Chez les agrolettrés, c'est généralement des sociétés à majorité paysanne, rurale, avec une petite couche de la population qui sait lire et écrire. Soit toutes les sociétés humaines, on connaît ce genre de structure avant ce qu'on appelle l'époque moderne. Ce sont des sociétés très structurées et hiérarchisées. Il y avait ce qu'on appelle la minorité. Vous avez dans toutes les adabiyat al-fiqhiyya al-maghribiyya, al-khassa ou al-amma. L'élite, al-khassa, et al-amma, la majorité de la population, avec deux modes de vie complètement différents et deux cultures complètement différentes. Pour la première, al-khassa, il avait le monopole de l'écriture et c'était souvent des citadins. C'était dans les grandes métropoles, avec un accès à la culture savante, ou ce qu'on appelle la culture scripturaire, la culture écrite, et donc à l'islam savant. Et vous avez d'un autre côté la population, la Amma, qui constitue 98% de la population, qui vit dans des sous-communautés rurales, villageoises, tribales, etc. Avec un mode de vie autour de la culture orale essentiellement. Et de temps en temps, on a un talib dans un doigt qui lui a accès, mais rudimentaire, de façon rudimentaire, à un peu de l'écrit pour organiser des éléments qui sont de l'ordre de la vie, les funérailles, l'éducation des enfants, etc. Et ces communautés, évidemment, ils utilisent les langues vernaculaires. Ils n'utilisent pas la langue des ulama, ils n'utilisent pas la langue de l'élite commerçante. Et ces langues, ce sont l'amazigh ou les différentes variantes du dialecte marocain, etc. La religiosité. Lorsque les Français vont débarquer au Maroc, ils vont découvrir que ces Marocains des campagnes, ils n'ont pas la même religion que celle des ulama finalement. Pourquoi ces milliers de marabouts partout? Quand vous voyagez au Maroc, vous êtes quand même attiré, votre attention est attirée par ces marabouts. Pourquoi ces silhouettes d'Al-Hadra? Pourquoi tout ça alors que chez les ulama, on n'a pas cet islam populaire, cette variable version de l'islam populaire, qui islam confrérique, islam maraboutique, on trouve les gens étaient Issaoui ou la Darqaoui de père en fils. On choisissait pas, on est Darqaoui comme son père, on est Tijani comme son père, etc., etc. On est agriculteur comme son père. Alors ce qui caractérise ce Maroc-là, c'est que vous avez des petites communautés qui se reproduisent sur des siècles. C'est-à-dire, si par exemple mon village à moi,
دوار إسقال في إيدا وتنان C'est mes parents et mes anciens grands-parents, ils ont vécu pendant des siècles de la même façon. On avait la même alimentation, on avait la même production, on avait la même précarité. Et on avait une espérance de vie très minimale. Donc ce mode de vie, l'éducation et la transmission, quel est son rôle dans un système comme celui-là? Son rôle de l'éducation dans un monde qui est le monde ancien, c'est la conservation. L'éducation, qu'est-ce qu'elle fait? On conserve ce qu'on a hérité des anciens. On vous transmet des choses. Parce que j'ai attrapé froid, je connais le rituel. Shibba, il va mettre le feu, il va voir l'aïn les drabetni, et tout de suite il va repérer, il va me donner. Et elle, elle a fait ça, ses parents ont fait ça, tout le monde avait fait ça. C'est sauver le monde qu'on nous a laissé les ancêtres, on continue à le sauvegarder. L'éducation a un seul objectif, une finalité, c'est vous transmettre les croyances, les valeurs des anciens pour les garder et les transmettre à vos enfants. C'est ce qu'on appelle la conservation. Alors que le monde de Descartes, ce n'est pas la conservation, c'est se projeter dans le monde nouveau. Qui va arriver, découvrir le monde, créer un nouveau monde, c'est autre chose. Donc on est complètement dans un autre monde. Avant 1912 aussi, on ne peut pas parler vraiment d'éducation au sens moderne, puisque la majorité était sans culture écrite. Vous savez, lorsque les Français sont arrivés en 1912, le nombre de Marocains qui savaient lire et écrire, c'était moins de 2%. On compte parmi les gens qui savent lire les talibs, les grands commerçants, les chefs des armées, ce qu'on appelle les gens des chancelleries, le Kutab, Dawawin, un peu l'Idoul. Et quand on voit tout ce monde-là par rapport à la population du Maroc, c'était moins de 2%. Et ce n'est pas rare, ça c'est dans le monde entier comme ça, même ailleurs. Alors, quel est le type d'itinéraire d'un jeune élève marocain dans ce monde-là quand il veut apprendre, quand il veut faire des études? Alors, le schéma, il est classique, il est connu, il est bien étudié. On a, quand il est dans son village, d'abord, il va aller à l'msid ou l'al-kitab coranique, vers l'âge de 5 ans. Et dans l'msid, le système, il est toujours le même. Apprendre par cœur, sous la direction d'un talib, quelques petits fragments du Coran. Moi, j'ai fait ça à partir de l'âge de 4 ans, mais je l'ai fait juste pour quelques mois, parce qu'on avait ce qu'on appelle les écoles nationalistes, les écoles des nationalistes. Ce sont les écoles privées, mais des petites écoles privées. C'était à l'époque à 5 dirhams le mois, en tout cas dans 1962-63. Et dans ces écoles-là, on commençait à enseigner autrement. Mais l'itinéraire classique, c'est celui-là, le msid d'abord. Et on apprend par cœur. Quand l'enfant va à le msid et apprend par cœur, vous savez qu'il n'apprend mais sans écrire. Il ne sait pas écrire. Il ne sait pas lire. Mais il apprend d'abord par cœur avant de savoir lire. Et ça, ça a des conséquences sur ce que nous sommes aujourd'hui. Le talib, lui aussi, c'est un contractuel. Il est pris en charge par la communauté villageoise. C'est un mchart. Mchart, ça veut dire le contrat. Et ça se passe comme ça dans la majorité du territoire. Et dans les villes, c'est surtout l'Hbès et les parents qui prennent en charge cet enseignement dans les msid, etc. Mais les villes du Maroc, on avait moins de 10% de la population qui était dans les villes. Et les grandes villes, c'était essentiellement Marrakech et Fès avec 100 000 habitants maximum. Rares les élèves qui, à l'âge de 10 ans, continuaient encore à aller au msid. Vous voyez aujourd'hui, quand on dit qu'il y a 270 000 qui quittent. Quitter avant, c'était normal. Au bout de quelques années, il apprend quelques fragments du Coran pour faire ses prières. Après, il va
les troupeaux, il va travailler au champ, etc., etc. Donc, généralement, les gens quittent l'EMSID pour aller travailler et aider les parents. Et les enfants, c'était pas comme aujourd'hui, on faisait deux enfants ou un enfant parce qu'ils sont des enfants désirés. On fait des enfants pour avoir de la main-d'œuvre à l'époque. Et donc, le système éducatif est organisé aussi autour du système anthropologique et social. Et donc, apprentissage du Coran, et on passe lorsqu'on va au second, si on peut appeler ça le second cycle, on va à autre chose qui s'appelle apprendre les classiques. Alors, le Maroc a inventé des classiques. Vous avez certainement entendu l'Ajromiya ou l'Elfiya. Ce sont des livres de grammaire. Vous savez que les Marocains, c'est une société essentiellement berbérophone. Donc, quand l'imam Malik ou la Kol Aïma font des traités de grammaire, pour un berbérophone, c'est inaccessible. Alors, que font les maîtres ? Ils prennent le manuel, ils le mettent en vers. Ils le mettent en vers, ça veut dire avec une rime, c'est de la poésie. Et donc vous avez les règles de grammaire qui sont mises sous forme musicale. Et les Marocains berbères la prennent par cœur, parce que ça devient plus facile. Et donc l'Ajromiya ou l'Elfiya comme ça deviennent des outils. C'est pour ça que Béchikou a'arf le fa'il qui est trafa, qui qu'arrête le bayt chi'ri. Il se rappelle tout de suite que le fa'il c'est trafa. Même s'il ne pratique pas. C'est-à-dire, on lui apprend comme des chansons, une sorte de poésie, parce qu'ils ont, comme Agal ibn Khaldoun, ils ne pratiquent pas l'arabe. Et comme ils ne pratiquent pas l'arabe, ils ont trouvé le moyen de prendre le droit, le fiqh, et de prendre la grammaire, mais en la mettant en vers. Et donc, à l'apprendre par cœur. D'où ça vient qu'aujourd'hui encore, vous trouvez un gosse de 19 ans, de 20 ans, qui est dans première année d'économie et qui apprend par cœur Ricardo. Apprendre Ricardo, l'économie, par cœur. D'où ça vient ça? On traîne ça de loin. Ça vient de loin, c'est dans notre culture. Donc l'Elfiya et tout ça, ce sont des mises en vers de choses qui sont de la grammaire. L'Arisala et le Mukhtasar de Khalil, c'est le célèbre manuel de fiqh. Un règle ou un fiqh, il est nécessaire pour lui d'apprendre par cœur Risala ou le Mukhtasar. Parce que pour savoir comment il fait l'Irt, ou là, comment il va gérer le Tariqa, comment répondre aux questions pratiques des musulmans, il faut qu'il sache ça par cœur. Et donc les règles sont dans le Mukhtasar. Donc toute la culture de l'islam classique est réduite à un tout petit héritage qu'on transmet, mais qui est répété, appris par cœur constamment. Évidemment, ça c'est, quand on apprend ça, c'est qu'on est devenu un bon frère pour aller faire le tour dans les villages, s'installer et devenir en quelque sorte un notable. Mais il y avait des gens qui vont encore plus loin, mais ils sont très rares. Et là, ce sont les gens qui vont partir vers les grandes écoles. C'est l'université de Qarawiyyin ou l'Ibn Youssef. C'est-à-dire, il va quitter son village du fin fond de l'Atlas, comme l'a fait Lyoussi, par exemple, pour aller à Fès et apprendre. Et d'autres. Et il y en a qui deviennent des internationaux des études. C'est ceux qui vont faire l'itinéraire classique. C'est-à-dire, ils vont partir vers la Tunisie, le Qayraouane. Au Mal Qayraouane, ils vont partir au Qahira. Au Mal Qahira, le Caire, et puis le Caire Médine. C'est ce qu'ont fait la famille Khtani et d'autres familles marocaines jusqu'au début du XXe siècle, par exemple. C'est-à-dire l'itinéraire classique de Alim qui va au-delà de Qarawiyyin pour aller vers le Moyen-Orient et vers les sources du savoir, évidemment, classique. Voilà en gros comment ça se passait dans le monde, résumé, l'itinéraire classique d'un étudiant ou d'un élève qui va jusqu'aux études classiques. Quels sont les traits essentiels de cet enseignement? Si vous le regardez de près, qu'est-ce qui le caractérise?
D'abord, c'est un enseignement uniforme et stéréotypé. C'est-à-dire, c'est la même chose qui se répète sur plusieurs siècles. Risala, vous allez voir dans des manuscrits du XVIIe siècle qui vous disent « j'ai appris Risala ». 18e, 19e, et même au début du 20e, on apprend Risala. C'est ça le savoir. Donc, un enseignement uniforme et stéréotypé, décalé par rapport à la vie. Parce que la vie, pour eux, c'est la vie à conserver, c'est la vie répétitive. C'est une société qui s'auto-reproduit. C'est pas une société qui va se transformer, il n'y a rien à transformer. C'est la même société qui s'auto-reproduit. يعني تكرر نفسها وتعيد إنتاج نفسها المجتمع يعيد إنتاج نفسه ما كانش مطرح لهم المشكل اللي قالت لي دابا qu'est-ce qu'on va faire des 60% des jeunes qui n'auront pas de boulot il y avait pas ce problème là c'est la société se répète il a le boulot de son père c'est tout et donc ملي كتجي المجاعة كتجي المجاعة la moitié de la population كتموت والسلام c'est tout يعني on était dans le déterminisme naturel et le déterminisme dial la précarité l'autre élément c'est l'importance du maître dans la transmission le maître soit le maître vivant qui guide soit le maître ancien cheikh et l'enseignement il se fait par silsila généralement ton diplôme. Quel est ton diplôme? Ton diplôme, c'est pas celui d'une université. Il n'y a pas d'université. Ton diplôme, moi, quels sont les chouyours chez qui tu as appris des choses? Et donc, les chouyours, on va dire que c'est le style, Et donc, c'est le maître qui compte. C'est pas le savoir qui compte, c'est le maître, la parole du maître. Et donc, le caractère secondaire de l'enseignement lui-même. Et l'unsur l'akhar, le plus dangereux, c'est l'absence des sciences dites rationnelles. C'est-à-dire cet enseignement-là, ce qui le caractérisait, c'est que l'ulum l'aqliya ghabat min al-ta'lim. Et on appelle l'ulum l'aqliya l'algèbre, la géométrie, la théologie, la philosophie, et on peut multiplier les sciences. Qashmiya un peu ilm al-mu'aqqit. C'est-à-dire celui qui va régler les horaires de prière, ça a continué parce qu'il avait une utilité sociale. C'est pour ça que vous allez voir dans un livre de l'Aroui sur les origines du nationalisme, il dit que les sciences ayant cours à la Qaraouine et ailleurs, c'est-à-dire vers la fin du 19e siècle, n'a plus rien à voir avec la science arabe classique du passé. C'est un ensemble de formules codifiées que la structure sociale a imposé depuis 3 siècles au moins. C'est-à-dire, c'est devenu quelque chose de très stéréotypé. Et donc, à la fin, quand une société a cette façon d'enseigner, ce que Malik bin Nabi disait des sociétés algériennes, la société algérienne a été colonisée parce qu'il était devenu avec le temps colonisable. Tout nous préparait à être colonisé. On n'avait pas changé ni nos systèmes éducatifs, ni nos systèmes économiques. Il y avait peu de choses. Je ne parle pas du reste. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'usage de la roue, il n'y avait rien. Donc voilà, le système éducatif était dans une dynamique de reproduction de ce qui existait il y a des siècles. Il n'y avait pas de croissance ni économique, ni au niveau des savoirs. Ce système-là, il va entrer en crise avec l'entrée de la colonisation. Parce que la colonisation arrive avec une nouvelle offre éducative. Sauf que la colonisation, évidemment, n'est pas bête. C'est que il ne veut former qu'une petite élite qui fera l'interface entre la population indigène et l'administration coloniale. Ça n'intéresse pas de scolariser le Maroc. Alors que c'est un débat en France qui existait, la mission civilisatrice de la France, etc. Et la même chose en Espagne. Mais quand il s'agit de colonisation, tout ça est mis de côté.
Avec les mutations sociales et démographiques et économiques, évidemment, les transformations, ce système éducatif, chouïa chouïa, il commence à changer. Les Qarouïens ont besoin d'entrer dans les cours, d'entrer dans les examens, d'entrer dans les examens, et la akhirée. Sauf que dans une grande partie, ce système n'a changé que d'apparence. Ce n'est pas parce que vous mettez des chaises à la place des nattes ou des tapis que vous allez changer le système. Vous pouvez garder le même esprit, la même éducation, le même système du maître qui parle, ce qu'on appelle l'argument d'autorité. C'est-à-dire quand le maître dit quelque chose, c'est la vérité. Et vous changez l'extérieur, mais l'intérieur, l'esprit du système, il peut continuer avec les nouveaux. Pour vous dire, c'est l'idée que j'ai eue un jour, en arrivant chez le ministre, c'était à l'époque Sebel Mokhtar, pour nous exposer un peu à quelques experts, nous exposer un peu son projet éducatif. Et il arrivait un peu mécontent, malheureux, triste, parce qu'il dit, j'étais dans un lycée, il y a une jeune fille qu'on a attrapée en train d'écouter les réponses par voie d'un système téléphonique, quelque chose qui a placé dans ses oreilles, et il recevait les réponses. Et il était malheureux. Comment il n'y a plus d'éthique, l'akhlaq n'a pas un palaba ou des choses. Je lui dis, mais vous savez, mais vous les poussez à le faire. Pour qu'un gosse copie par cœur, ou qu'il apprenne par cœur, ou qu'il copie, ça veut dire que le système lui dit que la meilleure façon, la plus rationnelle de se comporter, c'est de copier. Regardez comme quelqu'un passe, par exemple, l'agrégation en France. Vous passez l'agrégation pour devenir enseignant. Vous arrivez. Il y a des professeurs, vous choisissez une question. Il faut un bol qui est une des questions. Moi, j'ai assisté à ça, la Sorbonne. Vous choisissez une question. Une question sur Kant. Vous prenez tous les livres de Kant la bibliothèque et vous les posez, vous avez 5 heures. Allez, travaillez. Mais faites-moi une dissertation sur le sujet. Vous arrivez au bout de 5 heures, il faut la dissertation. Souvent, ils ne passent pas. Surtout l'oral. C'est très difficile. Ça veut dire quoi? Je n'y ai copié. Copié, ou le système, les tirs ou le wahed, c'est le goût de l'éc, être donné. Et où est la cassée dans le lacal? Où est le col? Là, il n'a pas été de l'éclat, c'est le goût de l'éclat. Il n'a pas été de l'éclat, tu respectes l'intelligence de l'autre en face de toi. C'est que tu lui apprends à construire l'argumentation, à raisonner, avoir l'esprit critique, à discuter l'enseignement. Mais le gultilo, c'est la parole du maître dans l'argument de vérité chez les gultilkana ou al-haq. Et dans l'haq, il y a le Coran qui est ardent. Ou alors, chez les kidiro. Il dit, mais vous avez raison. Il dit, vous avez raison parce qu'on leur fait faire des exercices physiques qu'aujourd'hui n'importe quelle tablette peut faire. Pourquoi gaspiller du temps à faire des choses inutiles alors qu'aujourd'hui les gens, les jeunes doivent faire des choses intelligentes? Donc, le système entraîne les jeunes d'Yenna, toute une culture qui nous a fabriqué pendant des siècles et qui fait de nous aujourd'hui que le système, il est ce qu'il est, il est un système égaré dans un monde moderne. On ne sait pas. On ne sait pas où on va. Yani, ihna jaybin ma'ana. Les gènes d'Yenna et de Chir l'Hfada. Ou Ghalimbi, parce que le système nous demande ça, ou le système qui goulk la marche qu'on est chiouf, nous chlouk t'es chilikin, ou Drey d'Abem le ketchouf ou le stijouabat, les micro-trottoirs, tous les gosses répondent que celui qui est vraiment bête, c'est celui qui ne copie pas. Et c'est un choix rationnel. Si le système me demande de restituer ce que j'ai donné, le choix rationnel, c'est de copier. Si le système respecte mon intelligence et me demande de dire ce que j'ai à dire, là, c'est autre chose. Sauf que le système ne respecte pas mon intelligence. Et donc, il me demande de restituer.
إذن إحنا في المعادلة est fausse dès le départ. Donc, l'éducation, la conservation du monde hérité, il y a la philosophie, l'ikhdemina biha, jusqu'à maintenant. Maintenant, si on veut passer les valeurs de la citoyenneté, Rachid Libdit Kankoulou ala, la liberté de l'esprit, l'esprit critique, l'autonomie du sujet, le raisonnement méthodique, hachikullo, rahoua ce qu'on appelle aujourd'hui les éléments essentiels pour faire un citoyen. Parce que, est-ce que un citoyen? Un citoyen, benisbel, les théoriciens de la démocratie, houa, les mlikés sont quand ils votent, qui abra ce qu'on appelle irada, la souveraineté populaire. Il n'y a pas de souveraineté que la souveraineté populaire. Walakin hadak celui qui va voter, bach tkoun ando irada, il doit d'abord savoir qu'est-ce qui est proposé comme projet politique. Donc il peut lire. Il ne peut pas lire. Yani wesh démocratie est possible dans une nation ummiya. Jusqu'à nouvel ordre ma kaynach. Ou là, il a Kainara, c'est une démocratie des élites et des oligarchies. Ou le Khorem, c'est que Nakaya, qui sont tous. Et donc, c'est pas possible de connaître une démocratie, il faut que l'aura, le Morshah, il parle une langue, ou la population parle une autre langue. À l'occasion, je vous dis une célèbre blague qu'on raconte, c'est quelqu'un qui se présente le moyen à classe et qui arrive. واش ماشي مدينه عام الاطر الشباب ديال الاحزاب السياسيه وكيجيب مع المترجم بالشلحه الوغ اي بارل لا بوبولاسيون جالسين بالرزز ديالهم وجلالهم كيقول لهم انا غندير ليكم وغندير ليكم وغندير ليكم والاخر كيقول غندير ليكم وغنقول لكم بالشلحه هما كيسمعوش هذاك لان ما كيعرفوش بحال الشينويه هما كيسمعوا هذاك اللي كيدوي بالشلحه دونك بالنسبه لهم اللي غيدير لهم هو داك اللي كيدوي بالشلحه تبعوا معايا يا سيغتان مومون سولوي اللي كيدوي المترجم قال لهم ولكل هذه الاسباب وقال لهم بالشلحه ولهذا ارجو منكم التصويت على فلان عبد الرزاق بن كذا وكذا طرح لهم مشكل وي واحد اللي هز صبعو داك الشيخ ديال الدوار قال له هادشي كلشي قلتي لنا مزيان ولكن في الاخر قلتي واحد الجمله ما عجبتناش قال شنو هي كيفاش قلتي لنا صوتوا لهذا فهمني جدا فهم عرفوه en fait la démocratie c'est un contrat la démocratie c'est اشنو قلتي ليا qu'est-ce que j'ai reçu c'est pour ça que vous pouvez pas imaginer une démocratie dans une société où l'élite a un langage que la population n'a pas où les gens parlent une langue ou l'autre qui dit une langue C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 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 des gens Donc l'idée, la langue, l'importance d'une langue commune dans une nation, il n'y a pas eu de démocratie qui a commencé, qui a fonctionné sans avoir uniformisé le territoire sur le plan linguistique. C'est-à-dire, un des fondements de l'État-nation moderne, c'est que le nord du pays est le sud du pays, la population de Konkat Arfa. Donc, ce que vous dites, c'est l'école, le système éducatif, l'islah al-logawi, tous les éléments de base, c'est pour ça que l'école du Gel Ferry, etc., ça, il n'y aurait pas de démocratie sans ça. La même chose dans d'autres pays, etc., etc. Et aujourd'hui, vous avez dans des pays où 36 langues, etc., les gens, les élites parlent une langue, journal m'ktoub l'arbiya, ou maskidoub l'orat khorayn, et on considère que c'est de la démocratie. C'est difficile de. Donc la démocratie, former le citoyen, c'est former des gens, un système éducatif capable de le fabriquer. Déjà, je vous donne ici la définition de cette philosophe américaine, Martha Nussbaum.
Martha Nussbaum est une grande figure de la philosophie américaine, la philosophie morale et politique, de l'université de Chicago. Elle a beaucoup travaillé avec un autre philosophe indien, philosophe mais en même temps économiste, qui a eu le prix Nobel, Amartya Sen, et qui a travaillé, elle, Hiya, sur les capacités, ou les capacités si on veut dire. L'idée d'Amartya Sen, Amartya Sen, Hua Mul, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on utilise les Nations Unies, l'indicateur du développement humain. Le développement, le produit national brut, etc. Lui, il va introduire d'autres notions, l'électricité, l'école, l'égalité homme-femme, et l'akhiré, pour mesurer le développement humain. C'est lui qui est derrière. Donc, les capacités, il y a comment doter le citoyen d'avoir les capacités d'utiliser ses droits. Parce qu'il ne suffit pas d'enseigner. الدستور المغربي كيقول كذا وكيعطي كذا وكيعطي كذا وكيعطي كذا مي كون لو غا نو سي با بارلي ني با ايديكي نا با لو مويان سو سكون ابل لي كاباسيتي لي كاباسيتي دو ديكزيرسي دو جوير دو سي ليبرتي ولا دو سي دروا سي كوم فو بحال ما كدير والو يعني هذا هو دونك سيتويان اكتيف كريتيك. Parce que l'esprit critique, c'est quelque chose de fondamental, réflexif, empathique. C'est quelque chose de fondamental dans une démocratie, en l'empathie. L'empathie, il y a une capacité à te mettre à la place de l'autre, à comprendre la souffrance de l'autre. L'empathie, c'est quelque chose de ratifia. Il est quand même inimaginable qu'une dame marocaine, bourgeoise, lise ça dans la presse. Un autre 4x4, un autre krat. Yani, si son enfant est blessé, elle peut souffrir. Mais il peut faire souffrir une bonne chez elle. Ça, on le voit tout le temps. C'est-à-dire, cette dame, qu'est-ce qu'il a d'inhumain, en fait? Ça veut dire que l'empathie, c'est pas inné. C'est socialement cultivé. L'empathie, c'est quelque chose qu'on apprend de l'éducation. Se mettre à la place de l'autre, s'identifier à l'autre, mesurer la souffrance de l'autre. Vous ne pouvez pas construire une société solidaire s'il n'y a pas ces émotions-là qui sont cultivées. Et ces émotions, qui traversent le physique, le maths, qui traversent les arts et la culture, qui traversent la littérature, qui chef au cinéma, qui chef les grandes œuvres de l'humanité. Celui qui lit les grands romans de l'humanité, Mosro, il se met à la place des autres, il s'identifie, son âme se multiplie, s'agrandit. Ou d'accord, Makrawello, évidemment, il ne va pas acquérir ce genre d'émotion. C'est pour ça qu'il a écrit son livre Les émotions démocratiques, comment former les citoyens du 21e siècle. Elle, ma katkonnage, علموا لا كونستيتيسيون قولوا شحال كاينه من كومون في المغرب سي فورميل تو سا سي با افيك سا كو فوز الي فورمي لو سيتويان سي فورمي سكيل يا دو بلو بروفون اون لوي سو سون سي ايموشن سي رياكسيون سينسير لي كيجيو ا شاك فوا كي لي فاس الظلم ولا لا فاس لانجستيس ولا لا فاس دي شوز كوم سا سي سا لو سيتويان كو نو ديفون فورمي اي دونك سي بور سا كيل فو avoir une autre approche d'elle, ce qu'on appelle la formation d'elle, la citoyenneté au Maroc. Pourquoi? Parce que il est basé sur un constat. À partir des années 92-94, le Maroc, tu sais, le système de Monsalaha, où tu as fait Sarah al-Mu'taqalin, où tu as fait l'instance équité et réconciliation, و المغرب بغى يبدا صفحه جديده بدينا ما يسمى وزاره حقوق الانسان تدريس حقوق الانسان الى اخره اون ا كومونسي سكو نابيل لي بروغرام ديدوكاسيون على سيتويانتي و دروا د لوم اي كوم جو مي سوي انتريسي ا سا اون ا في او بو دو 25 ans ان كونستا ديشيك
ça n'a rien donné. Et je vais vous donner les éléments pour vous montrer que tout ça, ça n'a rien donné. Et pourquoi ça n'a rien donné? Il y a eu d'abord une évaluation de ce programme d'éducation à la citoyenneté. Et ce programme, cette évaluation montre au niveau de la gouvernance, vous les enseignants, vous n'étiez pas associés à la conception de ces programmes. D'où le fait que ben bhalla quelque chose j'aime le fort on zlet bla ma tousal la réalité. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça, c'est que nous constatons à travers des enquêtes sociologiques que dans le Maroc d'aujourd'hui, la culture de la citoyenneté, de la solidarité est encore faible. Il y a beaucoup de carences. Alors voilà ce que nous donnent les enquêtes. Je vous cite au moins deux enquêtes. Une enquête leader à l'Institut Royal des Études Stratégiques sur ce qu'ils ont appelé le lien social. Qu'est-ce que c'est le lien social? Rabit al-jtima'i al-yom fi al-Maghrib. Il nous montre qu'on commence à avoir une émergence de l'individu, un peu comme dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire un individu avec ses propres choix. Mais cet individu, il se heurte dans son ascension, dans son émancipation, à ce qu'on peut appeler les conditions socio-économiques de l'autonomie. Vous savez que l'individu, lorsqu'il émerge dans les sociétés européennes, il a émergé en tant qu'individu, évidemment parce qu'il a quitté le village, il est allé dans les grandes villes travailler, c'est ce que nous faisons nous aussi. De plus en plus, nous voyons des jeunes garçons, des jeunes filles qui quittent leur village. Pour la première fois dans l'histoire du Maroc, pendant des siècles, le même endroit. La majorité de l'Mgharba qui ont leur village, leur ville, dans les siècles passés. Aujourd'hui, beaucoup d'indicateurs montrent que les Marocains bougent partout. Les mariages mixtes, la mobilité sociale, etc. montrent que les Marocains, très tôt, où ils sont devenus mobiles. Donc il y a cet essor de l'individu. Mais en même temps, lorsqu'on pose des questions à des gens, qui disent, voilà, il est bloqué dans son ascension parce que l'Europe, on a créé des institutions qui permettaient à l'individu son essor. C'est pour ça que vous avez les indemnités chômage, vous avez la sécurité, santé, vous avez tout système qu'ont inventé les sociétés européennes et occidentales. Ce sont des systèmes qui ont permis à l'individu de s'émanciper par rapport au Qbila, par rapport à l'Aïla, par rapport au groupe, et de devenir autonome et faire ses choix personnels. Et la religion a joué, toutes les institutions catholiques, la famille, les syndicats, le parti communiste au 19e siècle, etc. Tout, ils ont joué pour encadrer les gens qui arrivaient dans les villes après la révolution industrielle et leur permettre de trouver leur choix et leur vie. Évidemment, ces institutions, nous n'avons pas créé les institutions pour accueillir aujourd'hui cette jeunesse qui arrive. Il y avait des enquêtes une fois sur ce qu'on appelle les lieux de vie. C'est-à-dire, où peut aller un jeune dans les villes du Maroc? Et on commence à voir, donc, il s'aboutit à net, dans le bar, etc. Et donc, les maisons de culture sont des lieux. Il y a eu des enquêtes qui sont bidons, il n'y a rien. C'est pas animé, c'est des endroits vides. Il n'y a ni bouquins, ni pièces de théâtre, ni activités, etc. Donc, il y a très peu de lieux de vie. Il y a donc cet individu qui est bloqué dans son ascension. Il y a aussi une faible adhésion des Marocains aux valeurs de la citoyenneté. Et il y a aussi un attachement à des institutions fortes. On voit que dans cette enquête, ils allaient au militaire ou l'armée.
tempérée par une valorisation des associations, mais bien non les associations de droits de l'homme. Et puis un autre élément, une faible confiance interpersonnelle. Mais les quatre gounous, ouais, stick, fjarq, ouais, stick, flaro. Ceux du Tmanin, face à la Hamza, des personnes interrogées préfèrent être prudents et se méfient. Voyez, voilà quelques éléments. Hadi sur critères jugés importants pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut quelque chose, il faut un ciment, il faut des liens. Alors quand on leur pose la question, vous voyez, le travail, il vient en premier lieu. Donc l'emploi, quelque chose de fondamental, et ils ont raison de penser comme ça. Parce que le travail est un des liens qui fait drôle une société. La solidarité, l'obéissance à Dieu, la sécurité, etc. Et vous voyez quelques valeurs comme la liberté, et comme la stabilité, comme la justice, etc. sont très très faibles. Donc, c'est surtout les garanties qui sont d'ordre socio-économique qui intéressent aujourd'hui les Marocains. Un autre tableau, par exemple, on a posé la question, une femme qui a été victime de violences domestiques, le recours, à qui il doit s'adresser en premier lieu? Et vous voyez les réponses. D'abord, s'adresser aux membres de la famille, c'est-à-dire aller vers sa famille. Ou Anna, dialoguer avec son mari, c'est d'accepter la loi du plus fort. Ou essayer. Se taire. Vous voyez ici les réponses des femmes et les réponses des hommes. Ou aide, عندك من بعد. Vous avez s'adresser par exemple à l'aide ou à un centre d'écoute. Tlata facile, tlata. S'adresser aux voisins. On n'a pas confiance les autres. À part la famille, mais qu'est-ce la confiance les autres? S'adresser à la police et à la gendarmerie, c'est facile à dire. Pas de confiance pour les institutions. Vous voyez, on est encore dans la religion ou la famille, ou le recours, dit l'insan ou madlou. Ça veut dire que quelque part, il a, dans son subconscient, le Marocain, ne fait pas confiance aux institutions. Ah, mais je vais te dire comme les partis politiques ou les syndicats de créer, ouais, facile là. Il n'y a rien. Donc voilà, comment vous allez faire que nous soyons des citoyens sans cet esprit de solidarité, cette confiance dans les institutions et cette confiance qui est fondamentale dans les sociétés. Si on n'a pas ça, c'est-à-dire qu'il est difficile de construire le système. Atekoum, maintenant le tableau. Les questions ou l'homme, un peu une question pour pouvoir vivre ensemble au Maroc, faut-il de la liberté aux Zia? Allez, il faut leur parler un langage qu'ils aiment. Alors, regardez, Zia, rebattage passé là-dessus, ou rien, l'hichmo le golo Zia, avec l'hichmo que l'homme, il y a un équilibre entre les deux. Je n'ai un équilibre entre les deux. Il y a beaucoup de Zia, mais ceux qui ont choisi la liberté, c'est 29,2. Ça veut dire, sans liberté d'expression, liberté des citoyens, vous ne pouvez pas construire une valeur, des valeurs et une culture citoyenne. On est hésitant. Khaifin min rasna, khaifin min ba'diyatna. Il y a cette peur qui est là encore et qui ne nous permet pas d'aller vers. Donc, plus de 50% des Marocains hésitent à opter pour une adhésion franche à la valeur liberté. Et ça, c'est fondamental. Une dernière enquête, c'est celle menée par CNDH, le Centre National des Droits de l'Homme, au cours de l'année 2015-2016. On voulait savoir la connaissance des valeurs de la citoyenneté, des droits de l'homme, etc. Mais là, c'est quelque chose qui doit nous interpeller et interpeller tous les gens qui travaillent dans l'éducation et l'enseignement. Ce qui, moi, personnellement, a attiré mon attention en premier lieu, c'est que je pensais que, au bout de ces 25 dernières années, et moi, j'avais insisté à ce que les adolescents soient interrogés dans les familles. Bon, et donc,
pour voir est-ce que l'adolescent qui a été exposé à la culture des droits de l'homme et de la citoyenneté pendant ces dernières années, à travers le système éducatif, aura des réponses complètement différentes par rapport à la génération, l'ancienne génération. Et c'est terrible, le résultat, c'est qu'il y a très peu de différence entre les jeunes qui sont à l'école et la génération d'avant en matière d'intégration de la culture et des valeurs des droits de l'homme. Voyez par exemple ici, lorsqu'on pose les questions à la connaissance des droits. Est-ce que vous connaissez des droits, maintenant droit à la vie, droit civil et politique? On n'a pas tellement de différence. Pourcentage, les kigoul, kanarf. Droit à la paix, khamsa, chez les adolescents, stafasilarba, etc. Donc ce décalage, ce fait que la ressemblance baqa, alors que hna, le mjhoud koul leader flekol, c'est pour justement former une nouvelle génération plus exposée au droit, plus qui connaît plus le droit, etc., ses droits et ses devoirs en tant que citoyen. Pire encore, c'est là vous avez variation des attitudes selon le degré d'instruction. Par exemple, là, on pose la question interdiction de censure préalable des œuvres cinématographiques. On s'est inspiré de l'Hadith, le Qur'an, etc. Disant, ouais, je fais voir qu'un film, c'est Timna Hussein, Tchèf ou le Métchèf, Timna. Là, vous avez un alphabet qui dit 10,1, Goul Kouir, c'est Timna. Ouais, Karif supérieur 14,5. Mais le plus terrible, c'est que vous avez l'égalité des sexes en matière d'héritage. L'amra ou rajel, wesh fna dar khsna ndirou chi haja, bach nchoufou kifash, imken fil irt. Et on lit d'akchi, yani, btasa, oui. Et njtahdo. Insel maqarish. 22,4 qui dit, oui, wallah, il a khsak dar, ma'oula, ma. واحد قارف سوبيريور 15.7 قل من واحد اللي ما قاريش Ça veut dire que le système éducatif non seulement il ne n'ouvre pas vers les droits mais il crée des résistances à ces droits. Ou hadi kayna wahda okhra f l'enquête diel le lien social de l'Institut des études stratégiques, la question c'était il a trchhat mra fi daira intikhabiya dialk, la circonscription dialkom, une femme se présente, est-ce que vous votez pour elle ou pas? Nous avons à peu près 95% des gens analphabètes qui disent wallah il a kant maqoul nsawr aliha zamm le bon sens populaire. Et nous avons 25% des gens supérieurs qui commencent à ouvrir. Parce que c'est une femme. Ça veut dire une position idéologique. Une construction idéologique. Bim'ana annahu, c'est pas évident que le système éducatif aujourd'hui, il est la chose et son contraire. Ça dépendra de ce qu'on va faire dans notre système éducatif. C'est-à-dire, il peut aussi être un outil. Raf, l'Égypte aujourd'hui, le système éducatif est un outil de régression. Le système éducatif il peut être utilisé par un système totalitaire et devenir un système de propagande. Donc, le système éducatif, il faut qu'on voit à l'intérieur comment ça fonctionne, comment ça travaille, etc. Alors, pourquoi notre système éducatif? Pourquoi ce système donne ses résultats? Pourquoi il a échoué à transmettre les valeurs modernes de la citoyenneté aux jeunes générations? Quand les compagnies on a changé le hasard pour le kurasa, on a changé le waqt, on a changé le haïsas, mais ce n'est que des apparences d'un nouveau système. Il y a encore un effort à faire au niveau de l'âme du système. Rouh du système qui se tbeddel. Parce que même les kanji ou nqarrew ce qu'on appelle la citoyenneté ou les droits, kanqarrew le même, la même méthode, le même esprit
que j'appelle endoctrinement que c'est la même chose. Vous n'avez qu'à aller voir comment on explique aujourd'hui une constitution, comment on explique une démocratie, et ça reste le même esprit. C'est pas une question de contenu, la démocratie. C'est pas une question de la constitution, de la déclaration universelle des droits de l'homme, ou c'est pas avec ça qu'on fait les droits, l'esprit de la citoyenneté moderne. L'endoctrinement ne mène nulle part. Ou est-ce l'endoctrinement le contenu progressiste ou le contenu religieux, c'est la même chose. C'est de l'endoctrinement. Ou l'endoctrinement, ça ne mène pas vers l'épanouissement des individus pour développer une autonomie intellectuelle et une liberté d'esprit. Parce que l'essentiel, ce n'est pas les contenus, c'est de développer justement cette liberté. Et donc l'endoctrinement, malheureusement la maladie de notre système éducatif. Parfois, on se rend même pas compte que c'est ça. Parfois, c'est demandé, on a allé l'université. Quand on arrive à l'université en général, moi j'ai fait l'université début de 75-76. Normalement, on arrive devant un professeur qui fait son discours, des conférences, et nous, on prend note. Nous, on n'était pas préparés. Ah, ben, ça, c'était... Et ils ont imposé à ce que le professeur à l'université dicte. Je n'ai pas dicté. Il y a un qui dit, c'est Khalil. Il la parole du maître. Parce que la parole, on va la restituer. Si on n'a pas préparé ces étudiants, ces élèves, à trier, à choisir, à noter ce qu'ils veulent, à construire leur raisonnement, et à discuter, à entamer un débat libre. Où est-ce qu'il y a l'université ? L'université où est-ce qu'il y a l'université ? Donc, si on n'arrive pas à construire un système éducatif comme ça, où est-ce qu'il y a Comment tu peux être progressiste en donnant une parole de maître? Je vais vous donner un exemple. Comment l'esprit esprit protestataire, esprit de le débat, de la liberté. Qu'on est un citoyen au sens moderne. Moi, je fais partie des gens qui ont écouté ce discours de Hassan II. En 1999, quelques jours avant de mourir, c'était le moment où nous avons vendu la deuxième ligne téléphonique. On a eu une recette de 1 milliard 200 ou 300 millions d'euros. Hassan II a fait un discours le soir. Si vous l'aurez écouté aujourd'hui, c'est un discours de quelqu'un de malade. Il était malade, il était fatigué, il n'avait plus ses facultés. Il a commencé à nous parler d'un Maroc vert, entier, des autoroutes partout. Il savait plus ce que représentait 1 milliard. Moi, j'arrive au boulot le lendemain, je dis à mon directeur, est-ce que vous avez écouté le discours? Il m'a dit oui. Je dis, mais c'est inquiétant. Ah oui, il m'a dit, c'est inquiétant. Parce que soit il sait ce qu'il dit, soit il ne le sait pas, c'est encore plus grave. Mais quand tu ouvres les journaux le غد في المغرب كل شيء كيصفق كل شيء كيقول quel discours, quelle sagesse. Ça veut dire la parole du maître qui dit son dieu mais tu peux dire le roi vous êtes nu, le roi vous êtes dans l'erreur. Yani quand une société ne peut pas faire fonctionner son esprit critique, c'est une société morte. C'est une société finie. C'est comme les sociétés les dames, Saddam Hussein, les Hawiya, ou de Khalil al-Harb. C'est ça les dictats. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, si le citoyen ne commence pas à raisonner, ne commence pas à s'exprimer, si les institutions, les journaux, les partis politiques, etc., ne commencent pas à développer l'esprit critique, à construire le débat public,
A dire que des chenilles, un milliard ou 300 millions. Qu'est-ce que vous dites? Aujourd'hui, le TGV, il coûte 3 milliards. Bouhdo. Si tu veux, je m'attends de le Maghreb Kullo. Yanni, tu vois, je m'attends de le Kullo, mais tu vois, la Bika, ce jour-là, il est que tu veux dire. Non. Kulchik est fuck. Et ça, c'est contraire à l'esprit de la citoyenneté. C'est contraire à l'esprit de démocratie que nous voulons. Il dénie lequel est la parole du maître. Mille quatre-quel. Ça veut dire que qu'on ne nous permet pas que nos choix soient des choix rationnels, que nous construisons nos débats politiques, nos débats publics sur des bases rationnelles. Les confirmons le maslaha de l'jamia, il y a le haja l'oula. Donc l'endoctrinement, l'endoctrinement qui est partout. Donc il ne suffit pas de leur apprendre. Le couchour, la déclaration, je suis sur l'internet aujourd'hui, il est disponible. C'est pas ça. Je ne sais pas les lois, mais je ne sais pas les chiffres. Je ne sais pas les jamaïs, mais je ne sais pas les jamaïs. Je ne sais pas les jamaïs, je ne sais pas les jamaïs. Mais à quoi ça sert tout ça? L'esprit citoyen, qui est le fondement, comment il fonctionne l'esprit citoyen? Mais chiffres, les informations, seulement. المعلومات موجوده ومكتوبه في الاوراق ومكتوبه في الانترنت لوندوكترينمون il paralyse les capacités de réflexion الا كانت une parole كتجيني وخصني هي اللي نرجع كتقتل فيا انا la capacité de raisonnement كتقتل mon intelligence il interdit le questionnement les hésitations les questionnements les hésitations les doutes بحال Descartes les doutes. C'est ce qui agrandit l'esprit. Les doutes, c'est avec ça que, ça que la science, que le savoir commence. Donc, l'endoctrinement, c'est-à-dire qu'il y a une couche, un écran opaque qui brise les émotions et les sentiments. Mais qui brise le wahdi qadri d'où face à la parole. J'ai assisté à un spectacle. Je veux aussi toujours des cas de société pour réaliser le lien entre ça et ce qui se passe chez nous. Je voyage par le train entre Casablanca et je vois de l'autre côté un jeune habillé quasiment comme les jeunes de la Californie, le tanga fournir, ou charme, sans bachel, et donc un jeune comme les jeunes du monde d'aujourd'hui. Et donc c'est un jeune qui s'exprime à travers son vêtement, à travers son corps, barigoul, un jeune au jeune moderne. Bien, chez les barigoul. واحد الوقت هو يدخل واحد القميص واحد العيا هكا هو يجلس حداه وانا كنشوف فيه هو يشدو بدا ينزل عليه وداك الشيء بعربيه الفصحى لو جون يفي كوم سا لا باغول المعرفة كيفاش يعني إلي انكابابل دو لوي دير Et on vit dans ça parce que ce jeune-là, il est en train d'imiter le madahir de l'Hadar al-Rabiya. Où est-ce que l'esprit de la Mandouche, l'esprit cartésien, les goulou, tu m'as mis, je dis avec chicken. Et donc, nous sommes l'endoctrinement, c'est ce qui tue justement la capacité de réaction, de questionnement, de protestation à l'autre. L'endoctrinement des personnes, c'est aussi leur imposer une explication totale de la réalité. C'est ce que faisait cet homme, le train, mais le jeune. Qui goulou a la vérité, a l'explication du monde. Où il évacue. Il évacue les perplexités, les questions, les doutes, les émotions de le jeune, la réalité même de cette jeunesse, en la soustrayant à ses propres capacités d'étonnement et d'interrogation. Donc, l'éducation à la citoyenneté de demain, c'est préparer des citoyens dans et pour une démocratie saine. Et comment? Ces citoyens doivent être capables de penser, de décider par eux-mêmes. Les lumières, généralement, quand on parle des lumières, on cite une réponse d'Immanuel Kant, le philosophe allemand, un journal allemand, la question c'était qu'est-ce que les lumières?
Et la première phrase de Kant, les Lumières, c'est la sortie. C'est la sortie de l'état de tutelle pour oser penser par soi-même. Les Lumières, c'est ça. C'est lorsque la raison se libère de la tutelle, toute tritutelle, et commence à penser par elle-même. Elle tombe à les Lumières. Donc la de devoir de voir le monde du point de vue des autres. Ça, c'est ce qu'on a dit, il y a l'empathie. Mais Jish Otfred, le citoyen qui est contre l'agora, dit qu'il se met à l'agora, d'ailleurs, et l'agora, c'est le lieu du débat. Et la lumière de la vérité va sortir de notre débat. Maradjish min andouen, maradjish min hada ou l'an hada, radjish min la dynamique du débat. Et donc, quand on débat, de porter une véritable attention aux autres. De s'identifier aux faibles. C'est ce qu'on a dit de l'empathie. Le sentiment est comme un méchant fétri. Il y a qui joue le faible, ou qui joue le faible. Même qui joue le well. C'est l'empathie, ça se cultive. De développer une pensée critique, autonomie de l'esprit, de faire preuve de courage quand il faut lever sa voix différente contre les injustices, de développer l'esprit de la pensée méthodique, maintenant, distinguer les connaissances des croyances. Maintenant, quand nous sommes en échange avec les élèves, nous sommes en train de nous apprendre. Quand nous disons que c'est ce que je dis, هذه راه اعتقاد ولكن المعرفة ماشي اعتقاد. المعرفة معرفة والاعتقاد اعتقاد. الاعتقاد ما كيتناقش. لا كرويونس قالها لك باك قالها لك الفقيه ورتيها هذاك اعتقاد. لكن تقول الارض الكروية ولا الارض مسطحة هذه سي كونيسونس سي فري او سي فو. هي لي في et les faits sont des faits. Il est goutelik, il pleut dehors, on peut aller vérifier tout de suite pour voir l'énoncé de l'égout, ou est-ce de la vérité ou c'est faux. Mais il est goutelik, le Maghreb balade médiaf. Ça, c'est une valeur. Je veux dire, ça peut être vrai ou ça peut être faux. Donc, il est goutelik, on est en discussion. Ou il y a une valeur, et une valeur, ce n'est pas un argument. L'éducation qu'on a, c'est de forger l'esprit du citoyen. Mais je t'aime maintenant sur l'espace public. Il fera bien qu'est-ce que c'est un fait, qu'est-ce que c'est une valeur. Les opinions, quand tu ouvres le journal ou l'internet, c'est plein d'opinions. Je n'ai pas les opinions, là, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Mais l'opinion, mais il y a les vérités. Les vérités sont peu nombreuses. On a droit là. Savoir résister à ses propres intuitions. Vous savez que nos intuitions nous trompent. Et il est bien nos intuitions. Alors c'est pas avec ça qu'on fabrique du savoir. Le Galilée, c'est pour ça que l'enseignant de l'école moderne, qui dit que l'enseignant me l'enseigne des choses, il dit même des outils d'expérimentation. Mais il dit la démonstration pour les élèves. Pourquoi il le fait ? عوض ما يقول لهم la الارض راه ماشي كرويه ماشي مسطحه كرويه لا يجيب معاه des éléments pour faire la démonstration pour que sa parole ne soit pas vraie parce que c'est lui qui le dit mais elle est argumentée باش الدري يتعلم باللي ميم الاستاذ كي argumenter sa parole parce que comme disent les fondateurs de l'école moderne qui disent que nulle parole en classe. Celle du professeur comme celle de l'élève ne doit être sans justification. Mais qui est-ce qui est en classe où il y a des choses comme ça? Mais qui est-ce qui est comme ça? Sur quelle base? Quel est ton argument? Soit l'oustad ou le timide.
apprendre à argumenter tout le temps en classe, c'est ça le fondement de l'école de la citoyenneté et l'école moderne. Nos intuitions, vous savez, le mal qui tout le monde, lorsque Galilée est monté très haut pour jeter une boule d'acier, on a quelque chose de léger, une boule de chiffon. L'intuition dit n'est-ce qu'une boule. Le cora de le fox tabiata, le cora de l'hadid, ou le cora de l'éponge. Je conviens de la tour santé. Amen. Hein? Laquelle? C'est ça l'intuition. Ah ben c'est faux. J'aimerais dire ça. C'est ça. Expérimenter. Construire des hypothèses. Et donc les hypothèses, les tester scientifiquement par l'expérience. Ou même pas trop de panneau de l'aimer. Il y a la culture moderne. Parce que nos intuitions, ramenez que les aïnes qui se mangent, chauffe le soleil, qui j'y serait où? Où est-ce que vous avez? À Eden, suspendre son jugement, qu'abel man a tel hukm, n'trayit, n'hibis, n'tsennot, n'smaï les arguments, et puis je construis mon jugement. La même chose également pour mes intuitions. À chaque fois que j'ai des intuitions, radin bia, n'hibis. Parce que mes intuitions me trompent. Parce que nous avons ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ou comme si on a comme ça, ou une piste, ou il y a la fausse. Ou il y a qui est là, mais tu as l'esprit critique. C'est-à-dire, là, je m'interroge tout le temps. Je fais mon examen de conscience constamment. L'esprit scientifique également, et c'est quelque chose de fondamental. Comme moyen d'éducation, développer chez l'élève l'habitude du libre arbitre. Gunta, qu'est-ce que tu penses? Eshno waraik. Et j'étais toujours étonné quand les Marocains sont interviewés sur les micro-trottoirs, dès qu'ils parlent avec le micro, qu'ils rejettent des paroles stéréotypées. Les paroles stéréotypées, il y a tariqa bach t'harb, men dire ce que tu veux dire. Qu'est-ce que la rhétorique? La rhétorique, on a des phrases creuses, les kulchi qui goulou mouki kounou bhal bhal, ou les. Choufou par exemple, moi, t'aïnine, j'bnele m'tgi, j'bnele m'kada, les mêmes phrases sortent, les mêmes phrases. Vous ne pouvez pas construire une démocratie avec ça. C'est-à-dire qu'il faut que le citoyen parle une langue, qui soit une langue qui exprime quelque chose qui est de l'ordre de sa pensée, de ce que lui, il pense. Ben, lui, si dit, « Non, mais pas, je garde, je garde, je n'ai même pas, je n'ai pas, je n'ai pas. » Mais quand je dis, on est dans une logique de « ça va pas ». Ben, le mot, il faut s'apprendre et argumenter. Ou l'école, il y a le seul lieu, l'apprentissage de ce libre arbitre. La pratique du doute préalable. C'est mauvais. Alors que le doute méthodique est quelque chose de fondamental pour construire une pensée scientifique. Douter de tout. Recherche personnelle. Chercher soi-même ses sources. Hadith, avec l'internet aujourd'hui, c'est une autre dimension qui s'ouvre devant les enseignants. C'est comment apprendre aux élèves la masse des informations qui arrivent. Qui gère des trucs sur l'internet, ah, c'est un adresse d'une recherche. Parce que, bien que la parole du maître, qui est du maître, la parole de Google. Si on est dans la même logique, ma chrjnèche. Qui est-ce qui est un hat? Ou ma chrjnèche, t'as pas chichouf de quoi il s'agit. Donc, apprendre aux gens à lire les informations, à les trier, à les confronter, ma badiyatoum. À les hiérarchiser. Et tout ça, c'est des apprentissages. Et c'est maintenant, le talim jdid, c'est de former les gens à apprendre comment eux-mêmes ils s'en sortent. Parce que le ma'loumat, ça fait une tête. D'abord, il y a l'oustad qui dit, qui dit, Allah, qui dit, moi, qui dit, vous, qui dit, Allah, qui dit, l'oustad, le ma'loumat, il y a l'oustad.
Même si je cite un chiffre, au moins le chiffre exact, même si je cite un verset coranique, le verset coranique est le portable. Donc le ma'loumat ou l'aide, c'est-à-dire ce qu'on chille que nous avons le chizno, ça n'est pas le disque dur. Maintenant, ce qu'on doit apprendre, c'est l'esprit méthodique. C'est comment trier, comment construire le raisonnement. Donc voilà, chercher ces sources, les confronter, les vérifier. Former des citoyens, c'est systématiser la démarche scientifique expérimentale de l'observation, les sens, tous les domaines. L'opposé de l'école de Cheikh, l'Edouina Al-Qwaïla, et le disciple, c'est l'école de la citoyenneté. Cette école, ma katqbelch l'argument d'autorité. L'argument d'autorité, c'est ce que tu utilises avec ton fils. Lorsque tu te dis, ma te donnes les arguments, ma katqanouch, tu dis, hakouk. C'est quoi l'argument? C'est ma parole parce que je suis ton père. C'est quoi l'argument d'autorité? C'est-à-dire, c'est comme ça, ou baisse. C'est l'argument d'autorité, mais qu'elle t'accablouche l'école de la citoyenne. Il faut absolument qu'on construise quelque chose qui s'argumente tout le temps. À l'école, qu'on soit maître ou élève, on justifie, c'est une parole de Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, c'est l'auteur du dictionnaire pédagogique qui est au fondement de l'école française moderne, si vous voulez. L'esprit critique, ça, c'est quelque chose de fondamental. Attitude fondamentale à l'esprit critique, la curiosité, la lucidité, la modestie, l'écoute, l'autonomie intellectuelle, tout ça, c'est des facultés, des aptitudes qu'on doit développer. À nous même, les aptitudes bien le citoyen, le questionnement, évidemment. Pratique de l'esprit critique, s'informer, comprendre avant de juger. Donc, j'essaie d'abord de comprendre. Je suspends mon jugement. Ce que tu penses, mais attends, maîtrise-toi. Écoute d'abord. Évaluer l'information. Mais l'idjik l'information aujourd'hui, alors qu'ils passent leur temps à s'envoyer des informations. Ils n'ont pas le temps aujourd'hui d'évaluer l'information et de développer un esprit critique vis-à-vis. Recherche la source, comprendre qu'une connaissance, toute connaissance est construite. Il n'y a pas de connaissance ni nazlamisma. Toute connaissance, elle est construite. Donc, il faut comprendre comment elle est construite. Par exemple, je m'adressais à des jeunes. Je disais, qu'est-ce que ça représente pour vous, Eid al-Adha, qu'est-ce que le grand Eid? Si je, dans mon système éducatif, si je dis cette fête-là rappelle le geste d'Abraham vis-à-vis de son fils Ismaël pour les musulmans, etc., c'est une chose. Si je dis cette fête-là symbolise le geste d'Abraham vis-à-vis de son fils, que Tabari dit qu'il s'appelle Isaac et que Ibn Khaldun dit qu'il s'appelle Ismaël et que la tradition musulmane a fini par accepter Ismaël, c'est autre chose. Ça veut dire j'introduis le pluralisme, j'introduis l'esprit critique, parce que les Soultis qui disent qu'Ismaël, voilà, les musulmans pendant longtemps, ils ont dit Isaac, d'autres ont dit Ismaël, ils sont restés à débattre, et finalement la tradition a accepté Ismaël. C'est-à-dire, même dans le patrimoine, même dans ce qu'on transmet, essayons d'injecter toujours la dimension historique, l'évolution des choses. C'est pour ça que j'ai dit tout savoir est construit. C'est une construction. كما كيقول الطاهر بن عاشور وسكت الله عن ذكر الذبيح القران ندي ني اسماعيل ني ايزاك القران ندي كل ولد الو حنا دخلنا اسماعيل سي دي كونستركسيون يفو دير او جون بلي سي ها التاريخ كيفاش كتصاوب المعرفه كيفاش كتصاوب التقاليد الدينيه الى اخره ماشي نلصقوها للقران هو ما قالهاش دونك
l'idée de l'esprit critique, c'est aussi montrer les constructions, montrer les faits et l'interprétation des faits. Quel est le fait? Mais quand j'ai débattu, j'ai une jumriette, on demande à des gens, faites-nous un rapport sur les droits de l'homme dans le Hussein. Si tu as écrit le rapport sur 40 pages, quand tu as trouvé un fait, hein, qui est un fait massif, mais c'est des lectures de faits, quand tu as trouvé un fait, parce qu'ils n'arrivent pas à distinguer ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont fait. Un fait, c'est quelque chose de très précis, qu'on constate, qui est mesurable, qui est, qu'on peut argumenter, ou les fondements, ou les fondements. Donc, apprendre aussi aux jeunes à distinguer le fait et l'interprétation du fait. Et confronter les interprétations. Qu'il y ait des interprétations, il faut qu'on les discute. Participer au débat et comprendre la nécessité du pluralisme, ça aussi, il faut le développer chez les jeunes, évidemment. Alors j'arrive maintenant au cadillet les émotions pour je ne crois jamais avec le cadillet il y a le mot je parle qu'il y a une commune je parle qu'il y a un article de Dostour Hobsbawm il parle d'Aristote l'idée d'Yala c'est de dire en fait les émotions marcinaj l'haïdo les émotions m'endôme à t'aligner les émotions, les mécha'ir ou les hissassats de la talamie, c'est quelque chose qui est nécessaire de faire et qui est nécessaire de faire pour faire. Et la culture de la communauté, il peut être de faire des développements de les émotions démocratiques, les émotions mécha'ir démocratiques. C'est-à-dire que ماشي كاينه غير لاكتيفيتي راسيونال اللي هضرت عليها ليسبري سيانتيفيك ميثوديك سا مهم ولكن كاين ايضا تربيه النفس تربيه الروح تربيه المشاعر تربيه الذوق عند الانسان علاش لان الايموسيون اللي يخرجوا من الانسان كتعتبرهم هما باللي هي لي زيموسيون اكثر صدقا من لا كونستركسيون انتيليكتويال الواحد ملي كتخرج منه شي حاجه هكذا كتخرج من اعماقه كترجم الاحاسيس ديالو الداخليه لي كرويونس ديالو الداخليه الوغ ليدي سي كو لي ايموسيون كونتريرمون ا سو كون بونس نو سون با اني ما هماش فطريين او طبيعيين اي سون سوسيالمون اكيز دوبوي لا توندر انفونس يعني اي لي توجور ايتونون ان واحد اللي قاري في هارفارد واللي كيفي لي غراندز ايكول qui a eu à voyager à travers le monde, les chefs, les musées, chefs, les cultures, chefs, les différences. Il est beaucoup plus simple pour lui d'être tolérant. Il plaît pas mal. Les Africains, il peut manger un homme, il est souple, il est cool. Qui a venu. Ouais, c'est qu'il fait les montagnes suisses, ملي كيمشي ويفوطي كيفوطي كونتر تو سكي اترونجي كيخاف من الاترونجي في مكان ما عمرو ما شاف الاترونجي باسكو بلو لي جون سون اكسبوزي على ديفيرسيتي هيومان او ديفيرسيتي كولتوريل لي زار لا كولتور بلو سون كولير بلو لي جون نو كونيس ريان موند نو كونيس با لي زوتر بلو ايل سون عدائيين في العلاقه ديالهم على لي زوتر ايزون بور C'est la peur qu'il est. Alors que l'autre, il connaît le monde. Donc les émotions, il faut les cultiver, il faut les construire socialement. On sait comment se construit le goût, le dégoût, on sait comment se construit la protestation, les sentiments d'empathie, etc. Il y a. Ou aide la construction de ces émotions-là qui sont fondamentales. وهما النقص الكبير اللي كاين في التربيه ديالنا سي ليكسبوزيسيون دي جون او زوفر ليتيرير او زوفر ارتستيك على لا موزيك او تياتر على لا دانس او سينما باسكو سي سا لو بروبليم moi j'avais quand j'avais mon fils qui était encore jeune je le poussais à ce qu'il fasse du théâtre pour justement avoir l'aisance dans l'expression dire driette. Il n'y a que les fichiers qui font ça. Parce que pour lui,
il y a le foot, l'expression de la virilité des jeunes, ou quand les expressions frères. Et ça, tant qu'on a ce cloisonnement, on ne permet pas. Et c'est un des drames aujourd'hui de la jeunesse. Mais chez nous, dans les lycées, en France, chez les enfants de la diaspora, c'est qu'on a constaté que les jeunes filles lisent beaucoup de romans, les femmes lisent beaucoup de romans, même les éditeurs en France parlent de quantité de romans les qu'écrivent les filles. Même en Arabie Saoudite, les pays du Golfe, etc., les femmes lisent le roman plus que les autres. Et les garçons, ils veulent faire comme l'homme, maths, sup, physique, etc. C'est le cas que j'avais avec mon fils. Le roman. Alors que pour lui, il n'y a que le sport, la musculation, le physique, le maths. Le problème, c'est que pour lui expliquer, mais il me clique le monde de demain. Supposons que tu es un grand ingénieur et tu veux vendre un produit à un Chinois. Tu sais que la négociation, tu peux utiliser le roman, tu peux utiliser l'art, tu peux utiliser le mot d'esprit, tu peux utiliser beaucoup de choses. Ça ne sert à rien de devenir ingénieur inculte. Avec la lecture des romans, tu as l'empathie, tu peux connaître l'âme humaine dans ce qu'il a de plus varié, etc. Donc, l'éducation à la citoyenneté passe aussi par cette exposition aux arts, à la culture, qui élargit l'horizon des jeunes. Les arts, Katatina a de la capacité de l'empathie, comprendre les autres, l'habitude de la discussion et des débats, apprendre à écouter, à argumenter, la pratique démocratique acquise en classe, parce qu'il peut aussi faire des travaux d'exercice de démocratie en classe. La classe, c'est une petite société. On peut apprendre aussi à se respecter, à écouter l'autre, à ne pas lui couper la parole. Tout ce que ne font pas les parlementaires aujourd'hui. On peut l'apprendre et le faire. Une éducation à la citoyenneté n'est pas celle qui est tournée vers la compétition et le marché, qui m'a coûté comme un de dire les ingénieurs, mais qui est tournée vers la coopération et la démocratie. Et ça, cette éducation, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui et ce qu'il faut dire. Donc, pour résumer, pour l'OSBO, capacité de se préoccuper de la vie des autres et de comprendre ce que les différents types de mesures de politique peuvent avoir comme impact sur les citoyens, ça vous pouvez le savoir avec ce qu'on appelle les humanités. Il y a la géographie, l'histoire, les différentes cultures, etc. La capacité d'imaginer la variété de problèmes qui peuvent affecter l'histoire de la vie humaine. Ça aussi, on peut la voir à travers la littérature, à travers ces sciences-là. La capacité de voir son propre pays comme une composante d'un ordre mondial. Le chauvinisme, la capacité de voir sa propre culture, qui est goulak, un muslim, un arabi, un maghribi, ta propre culture n'est qu'un exemple local des formes de vie humaine qu'apprise la vie humaine ici et là à travers le monde. Tu n'es qu'un exemple des possibilités des cultures humaines. Il faut être curieux, il faut voir les autres cultures. L'anthropologie et la sociologie nous apprennent ça. Donc, nous ne sommes, nous Marocains, qu'un cas parmi les cas. C'est de là que vient justement la largesse d'esprit et la tolérance vis-à-vis des autres. Plus on connaît les autres cultures, plus on comprend le genre humain dans sa variété, plus on est tolérant avec les autres. La fermeture, le radicalisme vient justement du fait qu'on ignore les autres, qu'on a peur des autres, qu'on n'a pas cette capacité de s'ouvrir sur les autres et les connaître. Et l'éducation à la citoyenneté, c'est aussi l'éducation à cette ouverture vers les autres. Et merci infiniment pour vous. Vous m'entendez, non? Si Jean-Jacques, merci beaucoup pour cette intervention très enrichissante. On a beaucoup appris avec vous. Maintenant, ce sera au tour de la salle de parler, de s'exprimer. Donc, je vous propose qu'on prenne d'abord une série de trois questions
pour laisser l'occasion ainsi Jean-Jacques de répondre, suite à quoi on reprendra une autre tournée. Merci. Comme vous voulez. Je crois que vous savez, الحقيقة اختينا في واحد الجو رائع وجميل وخصنا بوجود أفكار. الفكرة الأولى على أن هذه القيم ديال المواطنة واش ما تسمع ما بغيتش تجاوب ولكن هذا نخليه مفتوح واش ما مقصودش أن تخرج القيم ديال المواطنة من التعليم لأن كاين البديل ديالها هو الرعاية. خلي هذا السؤال هو الموضوع الثاني وهو بما ان كاين الاساتذه اريد نقتسم معهم واحد الحاجه جميله اللي عندها علاقه بالموضوع ديال الحفظ اللي داخل في الجينات ديالنا والجذور ديالنا. انا كنت استاذ وكنت مفتش ديال التعليم وعشت واحد المرحله ديال الناس اللي كانوا كيطرحوا الاسئله ديال اللغه العربيه حاولوا يخرجوا من الحفظ الى معالجه ديال النص، كيعطيو التلامذ النص وكيعطيوه اسئله اللي تفهم ذاك النص، يعني التلميذ ملزم باش ما يحفظ حتى شي حاجه، ذاك النص يقدر يكون عنده بعض المعلومات. البعثات اللي وقعت هو ان كثير من الاساتذه ولاو كيعطيو التلامذ ما يسمى مقدمه خاصها تكون محفوظه خاصها تحفظها، راه هذه المقدمه صالحه لجميع النصوص. وكيعطيوهم كيفاش النص إذا كان كيتكلم على الرومانسية ها اللي خصك دير في الرومانسية أحسنت ولهذا هذه نقتصر مع الأساتذة على أنه رغم السلطة ديال السلطة ديال الحفظ راه يمكن لينا حنا كل واحد في المادة ديالو نشتغلوا على أن اللي معانا راه يعني يشوف ذاك السؤال اللي عنده كهضر على العربية على الأخر اللي عرفتها السؤال اللي عنده راه يمكن ليه يشتغل عليه بلا ما يقول شكرا. Mes remerciements à l'intervenant, monsieur Rosa. Ma question, comme moi-même, je suis le produit de l'enseignement traditionnel du Maroc, et je vous ai écouté et vous avez évoqué l'esprit critique. L'esprit critique est très essentiel pour nous. Et comme nous sommes le fruit de cet enseignement de récitation, de reproduction, la question que je vous pose, maintenant qu'on a cette si provoquée dans l'enseignement de progression, comment justement, en travaillant sur notamment l'esprit critique, comment on va développer nous-mêmes en tant qu'enseignants, en tant que transmetteurs de savoir, cet esprit critique. Merci. Salam alaikum, je suis Moussel al-Mohadra. La question que je vais vous poser, c'est une question par rapport à... C'est vrai que votre intervention a posé beaucoup de questions, beaucoup de réflexion personnelle. Et donc je pense par rapport à votre intervention, c'est qu'on doit viser un changement de paradigme de l'enseignement. C'est vrai qu'actuellement il y a beaucoup de défaillances au niveau de notre système, donc changer de paradigme, c'est aller vers d'autres conceptions, d'autres choses qu'on doit, en tant qu'enseignant, construire nous-mêmes pour les transmettre à nos élèves. Donc le paradigme de transmission, il n'est pas valable pour l'instant c'est par rapport à votre intervention. Donc on va vers un autre paradigme de construction de chaque élève et dans sa scolarité doit construire lui-même les apprentissages. Et on sait très bien en tant qu'enseignant que c'est le slogan de apprendre à apprendre. Donc et en même temps vous avez parlé de l'école doit être un lieu de vie. Donc tout ça, peut-être que c'est facile à dire, mais ce changement, est-ce que ça vous paraît que c'est facile dans nos conditions, dans la réalité d'enseignement aussi au Maroc? Merci. On reprend d'autres questions peut-être? Oui. 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 Oui.
اختصرتي انه لا سيفيزاسيون اسلاميك اختصرتها كلها في ان بطريمون ماروكان اختصرت كلها في الالفيه وفي الاجروميه الحمد لله الجامعه العربيه اللي عندها اكثر من 1300 عام اللي ما كانتش كتقري غير الالفيه والاجروميه كانت تقري لوجيك الدين تاريخ علوم كثيره ايضا الحضاره الاسلاميه هي ككل الحضارات هي اكوميلاسيون ديال جميع الحضارات فما كانش مقتصره غير على هاد الكوتي هذا من جهه معروف ان علماء كبار كالخوارزمي ابن سينا في لا فيلوزوفي ابن رشد اللي قدموا كثير واللي كانوا هما لا باز ديال الريفولوسيون اوروبيه هذا من جهة السؤال ديالي هو انه شنو كتختار كتعلمي على اللغه انه في المغرب عندنا بزاف ديال اللغات ديال البربر هما الاماسي وعندنا شنو كتختار كلغه كومان اللي نقدروا نهضروا بها كاملين تكون في المجلات بالنسبه لليديكاسيون هضرتي على اون بارتي ما هضرتيش على البارتي اللي هي الان اللي هي المشكل الكبير اللي هي لا بارتي ديال الميديا لا ماس ميديا لان الدري ما كيبقاش غير في ليكول كيخرج عنده لي ريزو سوسيو عنده بزاف ديال الحوايج اللي كيتاثروا فيه اكثر من الاستاذ وما هضرتيش على الاستاذ اللي مشات ليه البلاصه ديالو في المجتمع اللي شفنا دابا المشاكل ديال الاساتذه كيضربوهم الدراري ما بقاش عنده ديك البلاصه ديالو كاستاذ و لا بارتي ديال لا ريليجيون حنا كا اون طون كا دي مسلمون يعني كانت انسبيرو من الاسلام لي فالور اللي هي ترانسمي لي كوتوم اللي عندنا كلها جايه من واحد لا ريليجيون هذا بارتي ديال لا ريليجيون ما كنتيش عليها لان لي فالور اصلا ما كيجوش من المدرسه كيجو من لا ريليجيون ولا كانت لا ريليجيون ما كتقراش من المدرسه منين غناخذوا لي فالور كنشكرك بزاف شكرا On passe peut-être aux réponses, ensuite on reprend une autre tournée. Je crois pour la question concernant le développement de l'esprit critique, on a cité plein d'exemples pendant l'exposé le développement de l'esprit critique. Il y a une image. Si jamais vous essayez de regarder sur YouTube, allez vers par exemple, faites école en Finlande, documentaire à l'école de Finlande. Et les Français, lorsqu'ils ont commencé à s'intéresser à la Finlande, ils s'intéressent à la Finlande, et la Finlande et commence à être classée première les évaluations des PISA. PISA, le système éducatif fait son tour. Que tu les apprentissages des drôles. Mais qui t'allume le vocabulaire, d'abord, goutilo, allume tes calimètres. Mais qui rouge une langue de mon cas, qui fait ce qui est de rester à l'eau. Qui fait ce qui est abbarbe de quel calimètre l'inta. خلصتي الاستاذ ودرتي المقرر ودرتي كل شيء باش تعطي واحد الكلمات باللغه العربيه ها انت عطيتيهم ليه كيشوفوا هما كيفاش هذاك الدري كيعبر بهم كيكتشف بهم العالم هذوك الكلمات مالوريزمون في السيستيم الكاتيف ديالنا ما كاينينش اللي بغيت نقول لكم على هذه ديال الفيلود هي ملي الغريب ملي كتشوف الدوكيومونتير وكيبان لك واحد كيقرا واحد ناعس تحت الطبله واحد كل الدراري كل واحد كيدير شي حاجه مختلفه نهائيا والوغ كو فينلاند كلاسي بروميير فاسيلتي راه ما بقاتش كل شيء يكون جالس كي ما كيدويش وخايف ليسبري كريتيك هي هاد لا كاباسيتي كون ديفلوب شي لانديفيدو هي راه فلسفيه هي فلسفيه المعنى ديالها هو ان كل انسان إلا بغيتي نقولها بمنطق تيولوجي بيسك ذكرتي الدين نقولوا
في كل إنسان قبس من روح الله. قبس من روح الله يعني il y a une intelligence في هذيك لا بيرسون. تحاول تفرض عليه تعمره راه معنى احتقار ليس فقط الانتيليجنس ديالو وانما فيلوزوفيكمون كتقول باللي هذا ما فيش قبس من نور الله. بحال اللي كتقول هذا ما صنعوش ما صوبوش الله. يعني il faut un respect philosophique l'être humain بواحد الشكل باش تسمح للاسبري كريتيك يجي وهو اللي هاد ليكول مازال ما بغاتش دير لان طون كو نو افون سي سيستيم كي فو فابريكي اوتوماتيكمون لي ميم راه ما غيكونش ليسبري كريتيك. ليسبري كريتيك وهو ما كيجي لو ماتر وكيقول دي شوز اون كلاس وهذوك لي شوز اي سون ارغومونتي. Rien n'est donné comme parole du maître. Rien n'est donné comme argument d'autorité. Et on ouvre les discussions. Et je sais que c'est difficile. Quand je vois un homme, les gens qui ont le mohadarat, après que tu dis que je suis qui est sous elle, tout le monde est. Ce que me disait. سي عبد السلام بن عبد العالي استاذ ديال الفلسفه كان لي واحد المره قال لي ملي كندوز لورال الدراري في الفلسفه في الرباط كندوز في الكولوار الدراري كيدويو وكينقزو هكا فرحانين كيعبروا كيجلسوا قدامي كيوليو بحال البكم. اي سي ان بروبليم دو لونغ. ملي كيدوز في الكولوار كيدويو بالدارجه باش نهضروا على القضيه ديال اللغات. هي قبيله اللي قلت للسيد اللي جا كيدير الديسكور ملي كيحطهم قدامه كيبغيهم يهضروا باللغه العربيه. On n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui à avoir un enseignement وهذه الاشكاليه ديال لالونغ اللي يعطي ان انسينيمون الدري وهذاك لو باجاج لينغويستيك واللي فيكم عنده دي زونفون يبو فيريفيي سا. راجعوا مع الدروس باللغه العربيه وشوفوا الكلمات اللي كياخذ من اللي دخل النهار الاول في هذاك الفصل اللي دخل فيه وشوفوا ليزاج الكلمات لماذا تلك الكلمات وكيف تستعمل الكلمات كيحفظهم لان ما عندهم بهم غرض ما غايقولهمش. لن يقول المصعد غادي يقول لاسونسور. لن يقول السياره غادي يقول الطوموبيل. إذن كلمات كياخذها كيحفظها مي ليزاج ابخي ليكسبرسيون. انا كنقول غير هادو دابا اللي حديثين اما الا دخلنا للشعر ديال بني اميه وهذاك الشيء هذا موضوع اخر. كنشوف الدري ما عندوش مينيموم لينغويستيك بالعربيه وحاطين له الفوكابولير ديال اليا 13 سياكل علما بان اللغه العربيه هي من بين اللغات اللي الان ما فيهاش لو ديكسيونير هيستوريك. Quand est-ce qu'il a été utilisé pour la première fois dans l'histoire et comment il a évolué? Nous n'avons pas de dictionnaire historique. L'idée est que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu un dictionnaire qui nous montre l'histoire. Donc il y a un véritable problème dans l'apprentissage qui a un rapport avec la langue, et c'est vrai. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de problème. Et je ne pense pas que nous n'avons لانه الا جدودنا ما وجدوش الحل جو نو فوا با كيفاش حنا. بوغ مو دير سامبلومون كومون سا سباس كومون سا سي باسي بوغ نو ماروكان ديزون لافريك دو نور لا بارتي دو لا بيربيري يعني اللي فيها الامازيغ كثار. الا مشيتي لايران غادي تلقى الايرانيين عندهم حضاره مكتوبه قبل الاسلام وعندهم تراث مكتوب. لما جاء الاسلام أخذوا دينه ورفضوا لغته. أخذوا الدين وما خدوش العربية. العربية كيقراوها غير العلماء ما كيقراش الشعب. إلا مشيتي هذا الاختيار الأول اختيار شعوب اختارت الإسلام ولم تختار اللغة العربية لأن الصعب عندها تراث لغوي أقوى من العربية. هما اللي صوبوا لا جرامير العربية. كاينة شعوب أخرى مصر. مصر لما جاء الإسلام خذات الاسلام وخذات العربيه وقتلات لغتها. القبطيه الان لغه ميته. سوريا نفس الشيء الى اخره.
كاينه الحاله المغربيه، المغربيه كونجي المغربيه بمعنى المغارب، بلاد المغارب. المغارب الامازيغ ماشي مع الاسلام داروها، داروها مع كل شيء. ملي كتجي لغه ثقافه جايه، جاتنا الفينيقيه، جانا الوندال، جاونا شعوب قبل الاسلام، جانا الرومان. الارستقراطيه الامازيغيه كتقرا اللغه ديال ارستقراطيه، هما هذوك اللي في المغرب داروا ولادهم في ليكول فرونسيز، ديما نفس الشيء كتكرر، كتقرا اللغه ديال الاجنبي باش تتعامل معاه، ولكن البلاد كيبقى يدوي اللغه ديالو القديمه الامازيغيه. ملي جا الاسلام خداو الاسلام وخداو اللغه، ولكن اللغه لم تسود حتى القرن التاسع عشر. يعني عدد الناس اللي كيعرفوا العربيه الفصحى قليل والى اليوم، بمعنى ان اختيار المغاربه لو شوا دي ماروكان سي ان شوا داكيمولاسيون اي دو جوكستابوزيسيون. ما عمرنا اون جامي ترونشي في قضيه اللغه عبر التاريخ. لو كان كنا نقدروا اون ترونش، كنا نترونشيو في عهد الدوله المرابطيه، في عهد الدوله الموحديه، دوله قويه سادت من اقصى الصحراء في الجنوب السودان الى الاندلس، عندها قوه لتضاهي القوه ديال المشرق، ومع ذلك لا باترونشي في قضيه اللغه. ان المغاربه دابا علاش حنا البرجوازيه ديالنا كتقرا في المدارس الاجنبيه، ولادها كيقراو في المدارس يا امريكانيه يا سويديه، جيب لهم نابورت ايكول يديروا فيها ولادهم، ولكن الشعب غادي يبقى يقرا واحد اللغه. هاد المشكل العويص عبر التاريخ اللي ما حليناش هو اللي كاين. بينما تجي البلاد بحال كوبا، كوبا 1958 لا ريفوليسيون كوبان فا ريوسير، 1975 كوبا بدات كتصيفط لي ميديسان لافريك. لو سيستيم ايديوكاتيف كوبان ا ريغلي لو بروبليم دو لا جينيراليزاسيون دو ليكول اون 15 ans. نفس الشيء في بلدان اخرى. علاش؟ لان الدري كيتكلم اللغه اللي كيدوي مع مو هي اللي كيقرا في المدرسه. هي اون سول بون، حنا ما عندناش. هذا مصيرنا وهذا قدرنا. اي واحد ها؟ الحل قلت لك انا عبر التاريخ جدودك وجدودنا ما لقاوش الحل. دابا الا قلت لك اجي الا قلت لك اجي ندير الامازيغيه غادي نوضيها بزاف، غايقول لي ودابا العربيه اللي درنا احنا 60 عام والقرايه والمدرسه تلوحها في الزبل، نجي ندير الامازيغيه نبدا من الاول، انا نترجم ديكارت ونترجم بالامازيغيه، انت حمق ومعاه الحق. الا قلت نستمروا في العربيه، هذا الاستمرار في العربيه هو نفاق، لان في الحقيقه العربيه الان هي سي ليكول دو بوفغ. الاختيارات الطبقيه كتتم عبر اللغات الاجنبيه، اللي كيتقن اللغات الاجنبيه كيسلك راسو، واللي ما كيتقنهمش كيبقى. اذا راه كلشي هادشي نفاق، خاص نقاش حقيقي ونقاش صريح. ولكن ملي كنمشي للمجلس الاعلى وكنسمعهم كيدويو كاين الكذوب، هو ولده في ديكارت وخدام كيدافع عن اللغه العربيه. كي كتقول له حاول تكون لوجيك، كيقول لك راه هادشي كاين، دارها على الفاسي، داروها الفقهاء ديالنا، داروها كلهم. يعني فو بلاسي سي زونفون، وهذه قلت لك راه ماشي حيت داروها غيرهم، داروها المغاربه منذ زمان. ولذلك الى الان لا كريتيانتي عند سانت اوغستان سي غراس ا سا، باسكو سانت اوغستان في بارتي دو لارستوكراسي بربر. Il est l'un des pères de l'Église. Saint Augustin crée la langue de Rome. Ou Anna et d'autres berbères les créent la langue. Donc il y a cette dimension qui est, il faut comprendre l'histoire. Mais même quand j'ai le cahouloul, le bas de mes chers qui le contraint depuis des siècles, ou j'ai le goul gadin dir la cahouloul seria. Rakin des choses qui résistent. اي صحيح صحيح، عندنا التجربه التركيه صحيح، عندنا التجربه الصينيه صحيح، عندنا التجربه السوريه والعرب والعراقيه التجربه العربيه صحيح. صحيح
C'est ça. Ouais, c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais comment le faire? L'ikhtiyar kan khassou yedar en 1956. Le Maghreb fait 95% ummiyin, 5% arabes. Dik sa3a law khtariti lugha, ghadi on va se doter des moyens, on ndirouha, on qarrou biha, on kabrou biha le jil l'awwal, le jil tani w le jil talt. Lakin daba dazt 70 3am ou 60 3am. وانت تيا انفيستي في واحد العدد ديال اللغات دابا انت تيا انفيستي في لو بلوراليزم هذا هو الشوا ديال المغرب وتجي دابا وتعاود تعجن القضيه وتقول لا هذه غادي دابا غادي حنا مشينا في البلوراليزم ها الامازيغيه ها العربيه الفرنسويه الانجليزيه التركيه الى اخره والمغاربه يختاروا بحال في السوبر مارشي هذا هو الشوا اللي كاين اكطويلمون ويكذب عليك شي واحد اللي يقول لك عنده حل لهذه القضيه اي كومبري الناس المسؤولين فوق حتى واحد ما عنده الحل لان لا سوسيتي المام نا با شوازي المجلس الاعلى للتعليم دار واحد لونكيت عبر التليفون كيعيط الناس وكيقول لهم شنو اللغه اللي تبغيو يقراو فيها ولادكم الناس ها لا بوبولاسيون Ben, il y a des gens qui choisissent les langues étrangères. Ben oui. Ou le majlis l'iqtisadi ou l'ijtimaï, le même chal Sahara, ou bra y enquêter un soukan, bech yéchouf, wesh ndkhlou l'ouladkoum l'informatique, wesh ndkhlou l'ouladkoum l'hissaniya. Gallo si l'hissaniya, hna rakan dhoubia, hna bghina l'informatique ou l'françaouya. La population de Sahara. باغا الانفورماتيك والفرنساويه لان راه كاينه اون كومبيتيسيون سوسيال وكل واحد كيشوف ولادو كيفاش غيسلكو غيسلك اي فو لو دوتي دو كاباسيتي اللي بهم غيدوز ولذلك المجتمع براسو ما اختارش ليك المشكل اللغوي مشكل معقد جدا ولا يمكن طبيعه الحال انا جي سيتي عبد الله العربي كيدرس لا نيسونس دي ناسيوناليزم ماروكان وكيتكلم على القرن التاسع عشر وكيتكلم على ما قبله والاسطوره ديال ان القرويين كانت كتقرا فيها العلوم وداك الشيء راه سي اصل كانت كتقرا لا لوجيك كانت كتقرا شويه ديال لاسترولوجي لاسترونومي مي نو نافون با اي دو كولتور سيانتيفيك ما حناش اللي كان عندنا بنو الهيثم ما حناش اللي كان عندنا الخوارزمي ما حناش اللي كانوا عندنا كانوا البعض في الاندلس évidemment et la fin. Voilà qui la culture scientifique mais chi raket djou kat ra il faut une demande sociale. Ra la culture scientifique kat khlaq f mojtema3at favorable la culture scientifique. Wali delika صحيح ان العالم العربي او العرب قدموا une culture scientifique li tarjmat w ma3rouf طولاد un peu partout f le monde un grand moment de la renaissance est basé sur la traduction. ديال لي تريتي عرب في لا سيونس هذا كلشي كيعرفوا هذا ولكن اي سوفي بلو ميتنو دو دير سا اون تغنى بهذه زعما باللي راسنا راهوني في اسفل وخصنا نشوفوا راسنا فين حنا دونك لا كولتور سيانتيفيك ايفيدامون اي فو فير ابيل است كو سيت ان شانجمون دو باراديغم با تيلمون يعني است كو جو لو دير سي كو المنظومه الروح ديال المنظومه ما تبدلاتش ما تبدلاش من القرون السابقه يعني الى خصتي تشوف الداخل كيفاش تجيب لهم الرياضيات تجيب لهم حقوق الانسان تجيب داكشي كيتعجن وكيدوز بنفس الطرق وبنفس الذهنيه وبنفس المنطق اللي كان كيدوز به لما كان كيتقرا سيدي خليل الى اخره هذا هو الاشكال الاشكال الان هو كومون ريفولوشيوني نوتر فاصون ديديكي نوتر فاصون دو فورمي نو فولون ان غوس كي ديكوفر لو موند ان غوس كي مي لا مان على لا بات يعني كي يفابريك دي شوز كتعرفوا باللي لي سيناريو الان سكو سو بريبار باسكو المشكل ديالنا هذا النقاش كله راه بيتيتري لي ديباسي
ce qui se prépare. Il a créé tout maintenant celui qui a fait sa pièce ou les scénarios sur quoi on travaille aujourd'hui, les neurosciences, ou la biologie à l'informatique mélangée. Ben, on nous prépare dans quelques décennies, c'est pas loin, 30 ans, 40 ans, c'est que vous allez aller chez des coachs qui vont, avant de concevoir votre enfant, de faire des sélections de ce que des capacités les britanniques qu'on a d'eux. Madame Mbqinach, pas dit واش عين الزرقين ولا هذا. دابا واش يعرف المات؟ واش كيتقن سبعه د اللغات ولا 80؟ واش علاش؟ لانه on va s'acheminer vers la fabrication de l'intelligence artificielle مع l'intelligence humaine en fusionné داكشي. L'éducation ما غتبقاش غير قضيه دابا l'esprit critique اللي كنهضروا عليه. راه هاد لي savoir كاع اللي كاينين راه غادي يوليو ستوكي. C'est pas maintenant ils sont stockés ici, mais on va injecter des puces à l'intérieur de les travaux sur le cerveau aujourd'hui, ce sont des travaux qui montrent que les neurosciences radient ou les capacités le bnadem باش يكونوا عنده des savoirs les machines, mais tout ça ne résout pas le problème. غادي يخلق فقط عالم اللي كيعرف وعالم ما كيعرفش. Mais l'idée centrale est comment créer cette autonomie de l'individu, apprendre pour apprendre, ou apprendre à apprendre. Le Maghreb, maintenant, qui choisit l'automobile, Renault installe, il fabrique 400 000 voitures, etc. Vous savez que l'industrie automobile va devenir une industrie de robots dans quelques années. Les robots vont commencer à faire des voitures dans quelques années. Partout dans le monde, ça va être comme ça. Donc, même l'achetier de l'automobile, ça ne sert à rien. Ça va être dépassé dans quelques années. Les robots vont devenir beaucoup plus efficaces et beaucoup moins chers. L'intelligence aujourd'hui, elle est ailleurs. C'est celui qui va inventer des choses constamment. Cet individu, les radioulés autoprogrammables, radioulés houa, qui arrive les choses jeunes, où il apprend à apprendre constamment. Parce que le savoir, dit Zman, dit qu'un talim bechmkoun, enseignant, ou la menuisier, ou la policier toute ma vie, c'est fini. Tout ça. Les gens vont changer de métier, khamsa, sebaa, ashra, de marat, fayajan. Yani nous allons vers des sociétés où les gens vont bouger, vont apprendre tout le temps, vont changer de spécialité constamment. Ou l'idée est que l'éducation jdida, ça va être une éducation basée sur des langues et basée sur cette capacité justement d'intelligence à aller chercher l'information, la trier, l'analyser. Hadi li medirach l'ordinateur, li ghadir enta, et c'est l'être humain qui va la faire en quelque sorte. On reprend donc 4 à 5 autres questions. Bonjour, d'abord je vous remercie pour cette intervention intéressante qui nous incite à méditer et prendre du recul sur ce que nous les enseignons. Donc je m'appelle Amélie Nadia, je suis enseignante et doctorante en sociologie. Donc ma question, comme l'a déjà posé un collègue, premièrement, vous avez parlé de « il faut développer l'esprit critique chez le citoyen ». Donc on a cet esprit depuis l'esprit de Montaigne, lorsqu'il a parlé d'une tête bien faite, vaut mieux qu'une tête bien faite, ça veut dire une tête bien faite avec l'esprit critique et tout. Mais le paradoxe qui m'interpelle, monsieur, c'est que lorsque vous avez parlé de l'esprit critique, vous avez dit que c'est aussi une combinaison entre les émotions et l'esprit critique, en se basant bien sûr sur la citation de la chercheuse. Lorsqu'on parle des émotions, monsieur, il y a toujours la socialisation. Et comme dit Bourdieu, la socialisation primaire et secondaire, ça se base sur l'école, et bien sûr, la première étape, c'est la famille. Donc, on n'est pas sorti de ce dilemme, puisqu'on va revenir à la famille. On va revenir encore à la socialisation de la religion, ce que nous a donné dans l'enquête, des gens qui sont bien instruits
et qui sont toujours insensibles devant l'égalité femmes ou bien l'approche. Donc, ma première question, comment allier entre l'esprit critique concrètement dans nos écoles et avec la socialisation, bien sûr, se basant sur l'émotion. Deuxième point, c'est l'impact des médias. Donc, vous n'avez pas répondu à cette question. On a beau, par exemple, apprendre à nos apprenants des bases, mais avec les sociaux, avec les réseaux sociaux, avec les médias, donc tout est chamboulé. Donc, ils sont mieux placés pour nous pour arriver à leurs objectifs. Donc, troisième question, vous allez trouver un peu étonnante, mais avec, bien sûr, la nomination du Premier ministre, on est dans le concret, on est imaginaire. Supposons que vous êtes le conseiller de ce ministre. On va vous demander de faire une stratégie pour changer l'enseignement marocain. Quels sont, donc c'est bien de dire, donc l'esprit critique et tout, mais vous êtes dans le concret, dans le terrain, vous êtes son conseiller, on vous donne toute liberté pour le changement. Quelles sont les stratégies que vous allez faire pour changer, nous faire sortir de ce dilemme qui nous laisse donc vraiment des soucis devant tout ce qu'on voit avec la violence, la déperdition des valeurs et tout. Et merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Pour la qualité de votre exposé. أنا حقا عندي واحد ملاحظة يمكن اللي نتقسم على كأساتي كتقول أن يمكن عندنا مشكلة في المعارف مش حتى في يعني في كيف تكوين يعني فهم يعني التجريبي ولا عنده ناجع العلمي المشكلة عندنا في أن المعارف اللي عندنا كيفاش مدراء للحك عندنا مشكلة في التكوين أن كل شيء اللي كان الطرق باش كناخذوا المعرفه ولا باش كن حتى نبنيوها كتوصل عند واحد الجدار سميتو التكوين سالينا منها كندوزو لواحد اخرى ويمكن هاد الاستعمالات هادو ديال كيفاش غنستعمل المعرفه ديالي كاينه اساسا ماشي هذا في الابتدائي يمكن كاين هاد المشكل ديال اش اللغه غنستعملوها واش لغه الام او لا اللغه ديال المعرفه اللي هي اللغه العربيه فاش غنستعملوها يمكن كيبان في الابتدائي اكثر ولكن ملي كندوزو في الاسلاك ما كيبقاش عندنا المشكل ديال اللغه لان اللغه هي مع العقل سي كونفيكتور كيف ما الطريقه اللي غادي باي لغه خصني نوصل لواحد المعرفه وواحد التصور ديال المعرفه ويولي معنا البنيه الذهنيه حنا عندنا مشكله في البنيه الذهنيه اون توك فورماتور يعني انا هذا بصرف في الوقت ديال التكوين يلا كملنا يعني الامتحانات الشفويه وصدقوني وقت اللي كنسولو واحد مترشح كتبوا له مثلا باسكو اون بيولوجي ولا كتهضر في لي سبيكتيك كتبوا له مثلا واحد مفهوم علمي اش كيعني لك هذا المفهوم العلمي شرح ليا ولا شنو كتقول له شرح لي بالفرنسيه ولا بالعربيه صدقوني ما كاينه لا عربيه لا فرنسيه لا دارجه لا شي حاجه حتى شي حاجه ما عندوش البنيه الذهنيه عندنا مشكلة في المفاهيم عندنا مشكلة هاد اللغة اش غندير بها هو عنده اللغة ولكن اش غيشرح لك بها ما عندوش وهنا كتبان لنا الأزمة فين كاينة الأزمة هي في الاستدلال العلمي عندنا الذاكرة مشحونة ولكن الذاكرة الدلالية فيها خلل ويمكن هادو في الاستراتيجيات ديالنا يمكن حنا هكا ولادنا لأن كيربطونا للتقويم حنا كنحفظو باش نساليو باش نقراو ومن بعد كنمشيو كندوزو لان ملي كتوصل كتلقى راسك بان هذيك شفتي كدير بها لان ما عرفتش اش كنتي كدير بها Bonjour, merci beaucoup monsieur pour votre exposé. Donc, je suis une enseignante française du primaire. Alors, le problème qui se pose, comme madame vient de le citer, le primaire, donc, il est dans la pagaille, soi-disant. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme qui est trop chargé, comme elle a dit madame. Donc, il y a différentes matières à apprendre, il y a beaucoup de choses pour cet élève qui ne surmonte pas à être
donc stable, à être un bon citoyen, et il n'assume pas son autonomie, il n'assume pas sa responsabilité autant qu'élève. Et pourquoi il est à l'école d'abord? Pourquoi? Quel est l'objectif? Pourquoi? Alors la famille n'a pas, il ne lui a pas préparé pour être à l'école. Qu'est-ce que c'est que l'école? Qu'est-ce qu'il a appris d'abord à la maison pour être à l'école? Donc il y a des choses qui sont basiques, qu'on ignore, nous les parents d'abord, avant d'être à l'école. Après, quand il est à l'école, alors pourquoi? Pourquoi on apprend une matière, une telle matière? Pourquoi? Pourquoi? Quel est l'objectif? Donc, on vient, on lui donne des leçons comme ça, donc voilà, je retiens, etc. Il y a l'évaluation qui va être évaluée après. Mais pourquoi? Pourquoi ils évaluent? Alors, il y a la taxonomie de Bloom qui dit, commence par la connaissance, il faut arriver à la production. Mais cette production, elle passe par la synthèse, l'analyse, etc. Alors, cette évolution, peut-être que l'enseignant n'adopte pas comme il faut pour arriver à cette production. Alors, si l'élève du primaire ne passe pas par ces étapes-là, comment il va arriver lorsqu'il passe au collège, par exemple, ou bien au lycée? Donc, le problème, il est basique. Vraiment, c'est, théoriquement, c'est facile à dire. C'est facile, les paroles, c'est facile. Mais le pratique, lorsqu'on passe dans le domaine du pratique, donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit appuyer là-dessus. Une autre chose, c'est que lorsqu'on dit qu'il y a une ouverture sur le monde, il y a une ouverture maintenant sur les littératures, sur ce qu'on dit, la lecture par inférence, c'est-à-dire les inférences, comment lire les interdits et non pas seulement lire le texte comme il est. Donc lire les interdits comme le monsieur l'a déjà dit pour les questions. Et il y a des questions, bon, la question 1, ça se trouve dans la ligne 1. La question 2, c'est dans la ligne 2. Donc alors l'inférence, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que vous avez compris lorsque je vous dis un indice? Et c'est vous que vous devez trouver la réponse d'après ce que vous avez compris. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit travailler là-dessus, au primaire, et surtout le programme. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des écoles privées, n'en parlons pas du public, il y a des écoles privées qui travaillent là-dessus, il y a des bonnes écoles qui élaborent la pédagogie différenciée, etc., pour évaluer, pour avoir, donc c'est pas seulement, donc il faut avoir choisi l'élite de la classe, pour avoir une classe hétérogène et choisir. Peut-être si on a 35 élèves, ou bien 30 élèves, ou bien 25 élèves, et il y en a une dizaine qui arrive à être parmi l'élite, donc c'est déjà pas mal. Mais quand on a une minorité, donc c'est un vrai problème. Donc c'était une suggestion et questionnement. Donc, merci. Merci. Alors, juste parce que nous avons des contraintes de temps, je vous propose qu'on prenne encore deux questions peut-être. Trop fond, il y a le monsieur qui demandait depuis tout à l'heure. J'ai eu cette question. Nous avons pour l'instant parlé de l'école et de l'éducation formelle. Je vais un tout petit peu sortir du cadre. Ma question, c'est est-ce qu'il est trop tard de former les adultes, sachant que donc il y a, c'est étroitement lié. Redmarre à l'effet de la famille, à la télé. Est-ce qu'il faut accepter cette vision fataliste qui consiste à dire que ça fait une cinquième photo en bas, qui confie chez le malléable, ou ça fait une fête pour le former, pour le remodeler, le civisme ou la citoyenneté? Il y a un monsieur ici à droite. Je viens de le dire. Rien que pour dire à monsieur Jean-Jacques que je viens un peu du sud de sa localité. Donc je peux partager avec vous une petite expérience. J'ai eu ma retraite anticipée pour une simple raison. Pour un enseignant des CVT, il y a toujours un dilemme. Parmi les trois séances expérimentales, c'est celle
où on a de très mauvaises notes. Il peut avoir un 20 en mathématiques, c'est facile. Un 20 en PC, mais rarement qu'on approche les 20 dans les SVT. Pour la simple raison, et je partage avec M. Jean-Jacques, ce problème de langue. Nos élèves ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Un. Deux. Si on essaie un peu de travailler sur le comment, j'ai travaillé en fin de cycle, en mon cycle professionnel, avec le gouvernement, l'institutionnel, dans un collège où il y avait un directeur et un surveillant général, 1700 élèves. Nous avons adopté une option d'atelier participatif pour. On a posé une seule question. Quel enseignant on peut disposer dans son collège avec un tel staff? Si on fait la ségrégation entre le corps administratif et le corps enseignant, nous sommes élus victimes numéro un. Et on a travaillé pendant deux saisons. On a levé le niveau de la réussite à la troisième année de 34% à 56%. Après, on a augmenté notre cadre administratif et tout ça. Le nouveau directeur arrive, il dit, j'ai demandé à mes surveillants généraux de faire un exercice. Combien d'élèves va rester si on a fait le passage de la première AS à la deuxième AS sur 5,5% de moyenne? Quel serait le cas si on a fait le passage à 6,5 et à 7,5? J'ai dit, il y a une quatrième proposition. Il y a 10. Mes collègues riaient, le staff administratif riait. Donc, j'ai dit, maintenant, j'ai compris une chose. Je n'ai plus ma place dans ce système. Puisque je travaille dans un système égoïste. Tous les documents officiels disent que la moyenne de passage, ça serait un 10. Et maintenant, tu me proposes des scénarios avec des 5,5 et 6,5 et 7,5. J'ai quitté. Alors, j'ai adopté la société civile carrément avec une association qui milite un petit peu pour voir comment on peut travailler avec ça. Et on aborde quelques quatre fenêtres qui est le secteur privé, la cause de ma présence ici. L'HEM, et c'est déjà une institution qui a démocratisé un petit peu l'enseignement supérieur, et cette ouverture, ça nous permet effectivement de chercher d'autres solutions et comment élaborer pour que ma retraite anticipée ne soit pas lue comme une fuite à l'avant. C'est au contraire, c'est une quête à la recherche d'une autre solution. Et je cherche des partenaires avec qui on peut travailler sur un Maroc nouveau de demain, qui évolue, comme on l'a dit, comme un citoyen planétaire. Je partage aussi cette idée avec M. Jean-Jacques. Dans les 40-50 ans à venir, ça serait automatiquement d'autres objectifs qui dépassent de loin les prévisions de nos parents. Seulement à l'école privée, où je travaille maintenant, je trouvais un autre problème de taille. Avant, il y avait un directeur et ses surveillants généraux. Maintenant, chaque parent est un pédagogue. Il arrive avec son chouchou, il fait ceci, il aime ceci, il ne doit pas se... Il était dans l'école telle, il avait telle note, pourquoi il avait ceci? Donc, le problème est tellement complexe. J'aimerais bien qu'il y ait des volontaires qui peuvent adhérer à cette petite boule de neige qui pourra grandir. Et merci. Merci à vous. C'est Jean-Jacques.
Juste quelques questions de la dame concernant les émotions, la famille, la socialisation. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit justement, Nussbaum insiste sur les émotions parce qu'il dit que ce ne sont pas des émotions naturelles. Les émotions démocratiques sont des émotions construites par la socialisation, par la culture. Et donc vous soulevez le problème, vous dites si jamais l'enfant dans sa famille en cultive des émotions qui sont antidémocratiques, comment, qu'est-ce que peut l'école face à des émotions de la famille? Jadis, ce qui se faisait dans les écoles du 19e siècle, c'était arracher les enfants à leur famille. Ça, c'est la solution radicale. Ça a été fait en France, ça a été Derrida. Derrida, c'était une solution pratique, attention. Vous savez que l'enfant, quand il arrive dans l'école primaire, comme nous n'avons pas de ce qu'on appelle l'enseignement préscolaire, normalement, il faut un enseignement préscolaire qui prépare les gosses à l'enseignement scolaire. Et donc, quand un enfant arrive, par exemple dans la banlieue de Paris, fille d'une femme française qui avait lu des histoires à son gosse quand il était bébé, il ne parlait pas. Il entendait la musicalité de la langue. Et une malienne immigrée qui ne parle pas français, son gosse arrive à l'école dans la même classe. Pour les sociologues, le fils du malien, il est largué définitivement. Le retard de vocabulaire acquis à côté de maman, la maison, quand on est bébé, est définitif. C'est-à-dire, vous ne le rattrapez jamais. Parce que le système scolaire, il est cumulatif. La chol qui est démarré. Les profs qu'on a, quand on enseigne, on démarre plutôt avec ceux qui sont bons. On les suit. Mais les autres, ils sont largués. Et donc, quand vous avez des enfants qui arrivent en classe et qui, dans une maison, ils parlent une langue, dans l'autre maison, ils parlent autre langue, la solution qu'ils ont trouvée jadis, qui est la plus économique et peut-être démocratique, mais humainement coûteuse, c'est d'arracher les enfants à leur famille. C'est ce qu'ils ont fait dans des systèmes soviétiques, etc. L'autre solution, il y a l'Echneberna. L'autre solution, il y a d'avoir des professeurs des premières années qui nous font goûter quelle est la jouissance de la connaissance. C'est-à-dire, on a découvert la lecture. Et la lecture, une fois qu'on découvre ça, une fois qu'on découvre le plaisir que permet la connaissance, c'est un virus qu'on attrape une fois pour toutes. Et ça vous permet d'aller très loin. C'est pour ça que rien ne peut réussir par-delà les questions de langue, de régime social, etc. Tout dépend de gosse quand il arrive. Est-ce que la connaissance auquel il sera exposé, c'est une connaissance qu'il va intégrer dans son identité même, dans sa construction d'individu. S'il arrive à intégrer cette connaissance, moi quand j'étais à l'école et quand je reviens à la maison, je commence à expliquer à ma mère que la pluie, c'est pas Dieu qui le fait. Et que je vais t'expliquer maman comment ça se fait la pluie. Et elle était contre. Il y avait une culture de dodo, une culture de dedans, il y avait une culture de dehors. Il y avait un débat dans la maison. Et il découvrait que cet enfant qu'on est en train de le mettre à l'école, il est devenu sarani ou quelque chose. C'est différent. Et pendant longtemps, il y avait cette lutte entre les émotions, entre la culture de la maison et la culture. Je lui expliquais que le rituel qu'il fait, c'est de la magie inutile. Que ça, c'est pas avec ça qu'on guérit. Il faut de la pénicilline, il faut des antibiotiques, l'humanité, etc. Et donc, il y avait l'école introduit ce conflit dans les sociétés traditionnelles. Maintenant, les parents, ils sont alphabétisés, leurs enfants, ils sont alphabétisés. Donc, c'est surtout introduire le goût de la lecture et le plaisir de la lecture solitaire chez le gosse.
Et ça, pour le faire, il n'y a que les mamans qui peuvent le réussir. Les parents aujourd'hui sont démissionnaires, hein, ne participent pas. Et ça, partout dans le monde. Et c'est l'un des drames du système éducatif. Le parent, les pères ne sont pas impliqués. La maman, s'il prend un peu de son temps pour lire à haute voix, dès la petite enfance, les histoires à son fils. Ce plaisir qu'il va découvrir par la voix de sa maman, c'est un plaisir unique qu'il va garder toute sa vie. Il va chercher ce plaisir tout le temps. Comment, vous savez, psychanalytiquement, c'est quelque chose vers laquelle c'est une quête éternelle de retrouver la maman, de retrouver ce plaisir. Et donc ça, c'est très important. Ne ratez pas avec le gosse ce moment-là de lui injecter ce plaisir-là. Donc là, les émotions, c'est des émotions qui font découvrir le monde et l'humanité aux enfants dès leur jeune âge. L'impact des médias, c'est quelque chose de fondamental. Il faut tout un séminaire pour retravailler la thématique des médias. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on fait une enquête sur, par exemple, ce que pensent les jeunes, sur leurs valeurs, sur leur représentation, on découvre que ce n'est plus les parents, ce n'est plus l'école, c'est les médias qui sont aujourd'hui l'élément déterminant dans la socialisation et la connaissance et la culture des jeunes. Donc les médias, c'est quelque chose de fondamental. Mais l'école, ce qu'elle peut introduire avec l'esprit critique, Wadid Kernaf, l'esprit critique, le Med Kernaf a dit, allez chercher l'info, trier l'info, comparer l'info, quelle est la source derrière, etc. On leur apprend l'épistémologie d'aller chercher, de travailler les médias. Tout est construit. Alors déconstruis-le. Si on introduit des cours en classe, pour justement, et on décortique comme arrêt sur image. Comment c'est fabriqué? Comment ce discours, quel est le discours qu'ils veulent faire passer à travers ce documentaire? Et à ton avis, de notre situation, nous Marocains, comment on pense ça, etc., etc. On peut apprendre aux jeunes une nouvelle culture, c'est la culture de la critique des médias. Comment prendre la distance vis-à-vis du monde? Mais si j'ai un dieu, vous l'avez dit hier soir sur la radio, Galoua, je suis Galoua, c'est pas une source Galoua. Il faut toujours argumenter, chercher, organiser l'information. Alors, c'est toujours l'argument. Le travail, Gulti, il a comme petit conseiller, dit le ministre. Ou le ministre, bravo, ou le question de Tani. C'est-à-dire, il faut démystifier tout ça. C'est-à-dire, n'imaginez pas qu'aujourd'hui au Maroc, si vous êtes un ministre de l'Éducation nationale, vous avez toutes les cartes en main. Pour des raisons simples. C'est-à-dire, d'abord, vous êtes limité par le pouvoir politique. Le pouvoir politique, il a des choix. Ouais, donc les choix en termes de langue, en termes de contenu, en termes d'équilibre. Si jamais vous touchez le plus petit truc, vous êtes éjecté le deuxième jour. Deuxième chose, vous êtes limité par les budgets. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Troisième chose, si jamais vous dites ce système scolaire marocain, il est inégalitaire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas continuer. On est en train de perdre de l'argent et du temps. Vous voyez le dernier rapport de la Banque mondiale, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un enfant marocain, il reçoit 2000 heures de français. Il fait une saa de français. كلية العلوم في الرباط دار تيست للدراري اللي عندهم الباك باغي يدخلوا للكليه وهذاك التيست شنو فيه تيست باش تشوف لي فوندامونتو دي فرونسي واش عندهم لقات 37% ما عندهمش لي فوندامونتو دو الفرونسي وشنو هما دوك لي فوندامونتو بور لي زاكيرير تكون في الجابون ولا تكون في الصين ولا تكون تقدر تقراهم في 200 ساعه لي فوندامونتو تركيب جمله بالفرنساويه كتعلمها في 200 ساعه بالفرنساويه يعني انفقنا 2000 ساعة الواحد اللي ما عندوش الفوندامونتو ديال 200 ساعة صافي دير كيك باي فو سو بوزي دي كيستيون بارفوا
on patauge parfois, on est dans l'errance, le système ne fonctionne pas très bien. Il a goulti blé agi à ce système kollou, علاش ما نعاودوش من الاول. Pourquoi علاش حنا تكون عندنا plusieurs écoles. Toutes les écoles, وحده هي l'école publique. OK, la française, l'anglaise, là. Que le bourgeois marocain اللي عنده son gosse ou باغي يقرا يدخلو في l'école و يخلص و يقول شنو هما ses exigences de qualité. Ou que l'école devient autonome. L'école هنا ديال la Californie عندها مدير. هذاك المدير il est مدير sur un projet pédagogique. Ou هذاك le projet pédagogique, je vous donne أحلام. أحلام ديال هذوك les écoles فراس العام دائما ملي كيتسالي العام كيتافيشاو لي نوت ديال لي ميور بيرفورمانس ديال زيكول بحال من فيلاند. فيلاند سي فوز ات ميتر ابور ان طون كو ديريكتور فو شوازي ميم لي زونسينيون فو شوازي سي ميم لي زونسينيون اي فو مني فوتر بروجي بحال ان انتربريز فوز ات فو فولي عند كونترا مع الناس من لا كونديسيون وهو داك لو بورجوا اللي كيحط ولدو كيخلص عليه 5000 درهم راه هادوك اللي في الدوار اكوتي كيقراو في بور حداه بمعنى اننا كنصاوبوا ان ناسيون اللي فيها بنت لو بورجوا مع ولد الفلاح جالسين في طبله وحده وكيقراو لغه وحده وكيتعلموا فالور وحدين ماشي حنا دابا في سوسيتي اللي فيها الا قريتوا لو رابور غتشوفوا من اللي كيخلق اون سيكيل سون سورتيغ ليتينيرار ديالو معروف وهذيك البنت اللي جايه من سميتو اون سي كي نو سون سورتي وهذا هو الرابور اللي تكلم على الملك وقال له موديل ديفلوبمون راه لي اريفي ا سي ليميت هو في الحقيقه لو رابور ما كيقولش لو موديل ديفلوبمون كيقول لو موديل ايديوكاتيف ماروكان بلوكي كيقول باللي راه ما كيعطيش لا بوسيبيليتي لتو لي سيتويان سور لو ميم بيي ديغاليتي ولذلك بلي كور سوبليمونتير كلنا درناه لي كور سوبليمونتير الدري عيان في المات غدوزو دوزو سي لارجون اي دونك سي تان سيستيم انيغاليتير وهاد لو سيستيم انيغاليتير حنا دابا استشهدنا بلي راه تيسلك شي وحدين وشي وحدين مسكينين راه ما تيسلك لا واحد فينالمون راه لا ناسيون كتغرق علاش لان هذاك اللي سلك راه ما غيرجعش راه غيمشي غيبقى في ليكونومي مونديال ما غيبقى ما غيرجعش بوغ سيرفير لو بيي ما عندنا حتى شي حاجه باش نرجعوه بزز ولذلك الا بغينا لو بيي لا سوليداريتي سي كيل فو ايماجيني ان نوفو سيستيم مي جينيرالمون سو كو فو ديفي سافوار جامي لي سيستيم ايدوكاتيف نو سو ريفورم سو كون ابيل اون تون دو بي سو باسبونسيون ما كيجيوش الناس وكيبدلوا السيستيم سكولير غير هكاك qui est devenu dans des moments de révolution ou de guerre civile après le bled qui tremble ou qui tremble le projet mejdid mais ma qui tbedlouch les systèmes comme ça tout le monde en paix tout le monde est gentil tout le monde est bon les systèmes éducatifs c'est ce qu'il y a de plus lourd à changer et les projets de société mais qui jiwch imta tbedlou les systèmes éducatifs la Turquie tbedlou من بعد ما جاء اتاتورك امتى تبدل السيستم في كوبا تبدل لما دارت لا ريفولوشن كوبان امتى تبدل السيستم فرونسي لو سيستم فرونسي ابري لا ديفيت او 1871 فاس على المان باسكو الالمان افي انفونتي لو سيستم مودرن دو لونيفرسيتي لو سيستم فرونسي ايتي سو ديفلوبي بار رابور سيستم المان مجرد ابري لا ديفيت فرونسيز اون ا كومونسي ا دير ا تيان بيتيتر نو سيستم نو مارش با Et c'est là qu'on a introduit les grandes écoles, qu'on a changé le système éducatif français. Donc les systèmes éducatifs, c'est ça qui est là. Les sociétés qui se servent sa chair, je te le dis. Mais je suis dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Il faut vraiment beaucoup de choses. Et les délicats, وقعنا الله شرا نكون conseiller de chez Ouzier. Il n'y a rien à conseiller de toute façon. Et c'est vrai, vous avez raison, nous avons un problème, c'est sur lequel je vais insister. J'avais insisté, je ne voulais pas vous dire il faut leur enseigner ça et ça et ça et ça. C'est la structure mentale, comment on raisonne. Qu'est-ce que c'est un esprit scientifique? Qu'est-ce que c'est le bon sens? Comment réfléchir? C'est des choses que je peux apprendre à un gosse quelques heures. Il me faut juste avoir des gosses avec qui on peut travailler pendant quelques heures pour leur apprendre qu'est-ce que c'est l'approche scientifique. Et ça,
c'est si on change le système loin, on peut absolument, je suis sûr, que dès l'âge de 8 ans, on peut apprendre à des gosses Meidur Heshbik. On ne peut pas t'imposer n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est un esprit critique ? Dri l'emchet t'allemou m'ak, ça y est, il est sauvé. Vous lui apprenez A plus B plus K. Ou b'djriba, ou b'dialogue, ou des exemples, où il va le sentir dans sa vie. La seule condition, هي المرجع للدار ويديرها مع با ما يصرفوش فهمتي هو المرجع بالاسبري كريتيك il faut que la famille encourage l'esprit critique parce qu'il y a aussi ce problème là lorsqu'il va remettre en question beaucoup de choses qui sont la parole du maître il faut que la famille aussi accepte ça et donc il faut ce qu'on appelle un écosystème de ce changement et ça on peut le faire donc biniyat ad-dihniya c'est quelque chose de fondamental moi j'ai quand j'étais à la faculté, par exemple, on a fait quelques heures avec Abdeslam ibn Abd Ali. Nous, notre français était très faible. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le métier du sociologue de Bourdieu. Le métier du sociologue Bourdieu, c'est un traité quasiment d'épistémologie. Qui est le harfa de le sociologue ? Qui est tarjemen un texte en arabe, ou hittonna ma'al français, ou qu'un bda'an l'arabe. On fait comme l'épistémologie des Popper. Yani, qui fait sans un esprit scientifique. Il suffit de 30 heures, 40 heures. Une fois que Talma, on remet en question tout le reste. Donc, Ramesh Saïd, Nibni ou un nouveau système, Bhad Shkem. Walakin, il faut de la volonté, etc. Alors, il y avait aussi une autre question sur la formation des adultes. Oui, bien sûr, c'est quelque chose de fondamental. Au lendemain de l'indépendance, alors, je ne sais pas tout ma vie, je dis, mais nous, les gens qui étaient petits, nous avons vu dans notre journal, un journal qui s'appelle le Manar, un journal, et je suis un peu. Et ça, c'est que les gens qui ont été élevés, qui ont été élevés, qui ont été élevés, qui ont été élevés, en 1960-61. Et le problème de la formation des adultes, qui ont été élevés tout au long après l'indépendance, وهو انه كيحاربوا لهم الاميه ولكن هذوك لي زادولت المراه مثلا عندها 55 عام 60 عام كتجي كتعلم هذا هي كتجي عندها واحد الغرض نبيل ومعقول ومشروع هي كتقول لك انا جيت نتعلم نقرا ونكتب باش نقرا قران معقول ليزاج ابري باسكو الاميه ملي كتحاربها هي خصك من بعد تستثمر داك الشيء C'est-à-dire l'investissement de ce que tu as appris pour commencer à lire. Il est quand tu vas te harber au milieu de la télévision, tu vas le mousser, c'est fini. Il va revenir l'illettrisme. Parce que l'illettrisme, c'est. Je ne sais pas si tu as appris les outils que tu as appris. Mais il faut qu'on trouve des programmes pour apprendre aux gens, une fois qu'ils harbent au milieu, de se faire des chiffres la vie de l'homme quotidienne, ou ils croient au journal, ou ils croient au cadeau, ou au cadeau. C'est quoi d'abord l'enjeu? Parce que le Coran comme livre sacré pose un problème. Vous voyez, une fois que tu lis l'ayah, مثلاً سورة مثلاً, ou tu حفظها, mais tu قش que tu lis, que tu arabes. Avec riwaya, riwaya que tu lis. Riwaya ne comprends pas les événements, dit le roman il a pas lu. ولذلك خصها تدوز ما بعد القرآن, ما أوروبا تاعي هكا دازت. الناس قراو في الأول باش يقراو لا بيبل. سي كوم سا. لانه هذاك الشيء اللي كان كيخبر عليا الفقيه انا غنمشي له ديريكت سي سا لافونتاج سي كو لي جون سو ليبير ايل فون لو ليفر ساكري بور اومي ولكن من بعد ils sont passés le roman ils sont passés d'autres textes c'est pour ça que من بعد محاربه الاميه il faut qu'on aille vers d'autres textes ou ماشي نبقاو جالسين passivement قدام التلفزيون Et le dernier, c'était évidemment le retraité, évidemment nous partageons tout ça. Juste pour insister et vous dire encore une fois, c'est que dans ces premiers moments de l'enfance, faire découvrir la lecture les jeunes et faire découvrir le plaisir de la connaissance. C'est un plaisir, une fois qu'il goûte à ce plaisir-là, il ne lâchera plus. Et ça, c'est le plus important de tout système éducatif. Et l'éducation aux citoyens, ce n'est pas des contenus, ce n'est pas des savoirs, ce n'est pas la constitution marocaine et l'akhir, c'est
c'est cet esprit, de l'esprit curieux, de l'esprit autocritique, critique, qui débat, qui arrive à raisonner, à structurer les informations, c'est le plus important. Une fois qu'il a ça, c'est le plus important. Bhal qu'a dit le mettel sini, diel meshi tbqa ta'ti lhout, al mousri lhout. La méthode, la méthode, la méthode. Merci. Merci. Merci infiniment, Sijonjar, et merci à vous toutes et à tous d'être venus et d'avoir été aussi nombreux. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain. Je vous rappelle juste le thème, c'est aimer et faire respecter l'école par Hassan Saïr, qui est professeur et directeur général et des études d'HEM. Merci encore une fois et très bonne journée à vous.